I'm trapped inside a fake reality. Better days will never come for me. Ça va vous? À tout de suite. Salut Pimpin Reine. Bonjour à tous, à l'instant je disais salut Pimpin Reine. Pourquoi ce favoritisme, pourquoi ce message en direction d'une seule personne, un seul viewer, une seule vieweuse Pimpin Reine peut-être? Pourquoi? Parce que gentil message, trop gentil, regardez. Hello Samuel, j'ai téléchargé Twitch juste pour toi. Et j'attendais impatiemment ce premier live. On est d'accord qu'on va dédicacer ce stream aujourd'hui à Pimpin Reine pour ce très gentil message. Renifleur de paix, PAIX, Pimpin Reine, ne sois pas surprise, les pseudos sont parfois un peu étranges, ici c'est ce qu'on aime. Vient de s'abonner pour un 21e mois d'abonnement, j'ai envie de dire c'est beaucoup. Merci Camillette pour ce 21e mois d'abonnement aussi, et ce très gentil message, c'est adorable. Scald, Ska par mal, j'espère que je prononce bien, 23 mois d'abonnement, c'est énorme. Ma max 03, Yubaza jorexel, Feli Woody, merci à vous. Comment ça va? Merci Christ. Christ 32-21 pour être précis pour ce 19e mois d'abonnement. Comment ça va vous? Je remonte un petit peu dans les messages, j'ai vu plein de chouettes messages. Ouais, on est là, même en cette période de 15 août là, hein, certains ont pensé que je faisais le pont. Je vois un petit bonjour de Zazou, de Saint-Malo. Oh, merci Nicolo, c'est trop gentil. Enfin, Nicolo Co pour être précis. Merci pour le gentil message. Allez, je vous lis. Oui, le week-end dans la belle famille s'est très bien passé. Merci Cédric Sushi, c'était super sympa. On était en Franche-Comté, il faisait beau et ça m'a fait plaisir de voir tout le monde. Voilà, c'est Obérix qui pensait que je faisais le pont du 15 août. Voilà, effectivement, c'est demain. Non, pas de pont, oui, week-end. Je suis revenu hier soir pour pouvoir être là ce matin. Par contre, je sais pas ce que je fais pour la fin de semaine, j'ai besoin de votre avis là. Lundi, mardi, mercredi, pas de problème, je serai là tous les matins. Moi j'ai envie d'être là le plus souvent possible désormais quoi. Vous le savez, avec la rentrée là vous allez me subir, devoir me supporter quasiment tous les jours sur Twitch, que ce soit le matin ou le soir pour de magnifiques émissions. Je suis content parce que la programmation de Samplay est en train d'avancer, là je suis en train de caler les premiers invités, on va se régaler. Et la question c'est qu'est-ce que je fais pour la fin de semaine là? C'est-à-dire qu'en fait je m'en vais jeudi matin, très tôt. Là, je ne pourrais pas streamer en Bretagne pour un tournage, pour Brut, autour de la course à pied. Voilà, un petit truc rigolo. C'est un truc sympa. Et donc, je ne vais pas pouvoir streamer jeudi matin. Et du coup, j'en profite. Je reste en Bretagne quelques jours pour profiter d'un endroit où je ne suis pas allé depuis très, très, très longtemps. Et en fait, je ne sais pas si j'emmène mon matériel de stream là. À minima, tu vois, genre le petit PC portable, un petit écran, table de mixage, une petite caméra, micro, enfin bon, à minima, ça fait du matos quand même. Mais enfin, tout tient dans une petite valise cabine. Est-ce que j'emmène tout pour streamer jeudi matin, pour streamer vendredi matin, pour streamer samedi matin? Voilà. Ou alors je lâche, quoi. Je relâche. Et puis, je vais faire du sport, j'en profite pour voir les vieux copains en Bretagne. Je sors. Je sors. Je fais la fiesta. Voilà, j'hésite. Voilà. Ouais. Ah, vous êtes plein à dire qu'il faut que je profite. Bah oui, mais ça veut dire 3 streams cette semaine. Mais j'ai breaké tout le mois de juillet. Vous êtes adorable de me dire profite de ton séjour. Non, mais on va pas faire 3 streams cette semaine, c'est pas possible. C'est pas streamer quoi. C'est vacancier quoi. Hein? Ouais, non, je sais pas, j'hésite. Juste les revues de presse express, non, ça vaut pas le coup. Non, les revues de presse express, c'est un petit bonus, c'est sympa. Hein, ce que je poste, ce que je viens de poster sur TikTok, sur Twitter et Insta là. Mais en fait, je trouve que ça fait pas beaucoup quoi. Bois de la bière, profite. Fais un mix des deux. Bah oui, c'est ce que je dis, c'est d'emmener mon matériel de stream, quoi. Mais du coup, ça veut dire que je me coucherai pas tard, parce que pour lire les journaux, il faut se réveiller au plus tard, à 5 h du matin, quoi. Donc t'imagines la soirée, un petit peu festive, et le réveil 5 h du matin, je sais pas, tu vois. Parce que j'ai pas été là en juillet quand même, 3 premières semaines de juillet, j'étais pas là, quoi. Demain, il y aura moins de journaux, Samuel, dit Camille. Ouais, j'espère que demain 15 août, il y aura des journaux. Oh, t'as raison, demain 15 août, il va y avoir moins de journaux. Il y en aura. Non, mais je vais trouver des trucs. Le Monde va sortir tout à l'heure, là. Non, demain, j'aurai à minimal Parisien. Ouais, peut-être pas beaucoup de journaux, ouais. Fais un stream avec tes potes bretons. Non, non, Pénade, vous ne voulez pas voir ça. Vous ne voulez pas voir les... Vous ne voulez pas voir cette fête que je vais faire. C'est pas possible. Je pense que c'est puni par la loi. Merci beaucoup, Fafa814, pour le 5e mois d'abonnement. Merci beaucoup, BimboJet, pour le 18e mois d'abonnement. Oh, pas très bien dormi. J'hésite. Ouais. En plus, c'est beau, là. C'est un endroit que j'adore. Oh, merci, Rimex, c'est gentil. Non, j'ai pas le JDD d'hier, Madroco. Je l'ai lu. Mais le JDD Nouvelle Formule, j'en ai lu les 2 derniers numéros. Et à ce jour, je ne vois pas l'intérêt de vous le lire. Voilà, je continue à me faire ma propre opinion. Voilà. Mais je vous en parlerai. Merci. Il y a Lodi Venon qui se fait un café, qui en propose un à quiconque veut. Quelqu'un veut un petit café, faut le dire à Lodi Venon. Là, c'est marqué dans le chat. Comment ça, Fafa, c'est son anniversaire? Ah ben oui, c'est ton anniversaire. Oh là là, ah oui. Et donc Fafa nous dit, du coup, tu pourras peut-être lire les lions tout à l'heure. Ouais, c'est ok. On fera quand même le concours de l'horoscope et le concours de rapidité, mais on lira les lions aussi. Ouais, j'avais pas vu, Fafa, bon anniversaire. Toki est partant pour un café, mais plutôt une cafetière. C'est parti pour les prises de commande. Nozika veut bien un thé. Fifi est parti pour un café, un ristretto, pour qui? Pour Téphane Delille, comment vas-tu? Ouais. Qu'est-ce que ça prend? Petit kawa pour Gemma Seul. Petit café pour Charlie. Sharky Twitch, pardon. Avec une chocolatine, dit Vilibou qui tente le. qui tente le mignon sur Twitter. Avec ce débat. Un petit calva pour Maxou, ça y est, je me disais qu'ils sont bien sages là. Petit calva pour Maxou, un double expresso très très serré pour CBR Kramer, un maté pour Camille Notagirl, I'm Not Rider et Dipanon, un petit café, un jambon beurre pour Matt Le Basque qui est levé depuis très longtemps sans doute. Il fait beau ce week-end, profite de la nature et tes amis. Tiens, je vais voir quel temps il fait. Il faut que je rajoute parce que ça fait très longtemps que je ne suis pas allé dans cet endroit cher à mes yeux. Tiens, je vais aller voir quelle température. Je vous dis pas parce que je protège un peu ma vie privée. En même temps, je vais sûrement poster des photos là-bas. Tellement j'aime cet endroit. Alors, quel temps il fait? Ah, il fait beau. C'est pas chaud non plus. Hein. C'est la Bretagne, hein, c'est le charme de la Bretagne. Maxi 22, 23. C'est bien, on va pas crever de chaud. Un petit peu nuageux. C'est bien. Pourquoi? C'est parfait. J'hésite. Je passe streamer 3 jours cette semaine. Les gens qui subent, c'est pas possible. Kiskidi qui vient de prendre un 7e mois d'abonnement, il sub pas pour 3 jours de stream par semaine. Spawn 1138, 2 ans d'abonnement. On est au max. Ça sub pas pour 3 jours de stream par semaine, ça. Créalitienzo02, merci pour ton prime. Stream pas, ça sub pas pour 3 streams par semaine, ça. Il y a une chanson d'Indochine comme ça, 3 streams par semaine, je sais pas si vous connaissez. 3 streams par semaine. Excusez-moi, désolé. J'ai des amis qui sont en Bretagne depuis 15 jours, ils ont un temps de merde, dit CBR Kramer. Ah, ça arrive. C'est la surprise de la Bretagne, tu peux avoir 15 jours de soleil, de folie, il faut te protéger la peau, tu crames, ça y est, je l'ai connu moi. Et puis parfois c'est 15 jours de pluie. Tiens, Pénette dit, c'est vrai, tu dois streamer par respect pour ta commu. Voilà. C'est ta peau contre ma peau, ouais, exactement. 3, 3 streams par semaine. Ouais, sondage. Je sais pas, non, faut que j'assume mes responsabilités, faut que j'assume. En fait, je vais vous dire pourquoi j'hésite. En fait, je vous ai pas tout dit, je vous ai un peu... Je vais vous dire, je vous dois la vérité. Je vais vous dire pourquoi j'hésite à streamer. Donc, jeudi, vendredi, samedi. Alors, il y a effectivement le fait que... Il va peut-être y avoir fête, peut-être y avoir festouille, apéritif le soir. Donc j'ai peur de pas être en état pour dire les choses. Et l'autre truc, c'est que j'ai la flemme c'est la vieillerie, ça, c'est l'âge. J'ai la flemme d'emmener mon matos. À une époque, ça me faisait pas peur, hein, de démonter le PC, d'emmener le petit écran qui va bien, le micro, le table de mixage, voilà. Et en fait, j'ai la flemme de devoir tout désinstaller. C'est pas lourd en vrai, mais de tout réinstaller après. De revenir ici et de tout recabler. C'est pas grand chose pourtant. Enfin, j'ai un peu la flemme. Voilà. Et parce que là, bon, bah, tout est posé, c'est bon. La caméra, elle est bien, la lumière, elle est bien, l'écran, il est. En fait, j'ai la flemme. J'ai la flemme de tout démonter, remonter. Parce que c'est propre là. Ouais. Et en même temps, j'ai envie de streamer quoi. Je sais pas. Ouais. Tiens, un renifleur de paix aurait grave la flemme aussi quoi. Oh, j'hésite. Parce que ça donne quoi la semaine prochaine? Qu'est-ce que ça donne la semaine prochaine? On va regarder ce qui nous attend. Vous êtes toujours là? Je suis parti. Hein. Donc je prends mon agenda électronique là. Ah, ici. Tel plus tablette, rien à démonter, remonter. Ah oui, mais non, tu peux. Impossible. Impossible de mettre le. Regardez pas mon agenda. Hein. Impossible de. Non, impossible de streamer la presse juste avec le téléphone. C'est impossible. Impossible. Ouais, trop compliqué. Donc cette semaine, cet après-midi, j'ai rendez-vous avec Joe au studio là, pour commencer à tout mettre en place pour parce qu'on essaie de booster l'image, le son, bref tout pour les émissions hebdomadaires qui arrivent là, l'hebdo Etienne et Samplay. Donc là, on a un gros après-midi d'install de test avec Joe là, cet après-midi là. Ok, demain je suis là, mercredi matin je suis là, donc fin de semaine je sais pas, la semaine prochaine. Ok, lundi on stream. Lundi prochain, je vous annonce les entreprises partenaires de l'émission Samplay aussi. Mardi, je serai là. Mercredi, je serai là. Très tôt, parce que j'ai une conférence pour parler de... Je sais pas quoi d'ailleurs. De Twitch à des journalistes. Jeudi, je serai là. Vendredi 25, je serai là le matin. Et vendredi soir 20h. L'hebdo Étienne, saison 2, le retour. Moi, je prends mon agenda, vous prenez le vôtre. Hein. Vendredi 25 août, première de l'hebdo Étienne, saison 2. Voilà. 20h, comme l'année dernière. Hein. Voilà. Donc, on revient sur l'actualité de la semaine avec 3-4 invités. Quoi. À quand les leaks sur les premiers invités de l'hebdo? Damos ne va pas trop vite. J'attends les retours. Et puis, bon, le samedi, je streamerai pas, je pense. Hein. Pourquoi? Parce que je stream dimanche soir. Pour la première de Samplay, hein, l'émission sur le jeu vidéo, là, tous les dimanches soirs 20h, histoire d'oublier le stress du lundi qui revient. On recevra à 20h ici un passionné, une passionnée d'un jeu vidéo pour s'immerger dans ce jeu vidéo et dans sa passion. Puis, en fait, c'est surtout une excuse pour me mettre à niveau sur les jeux vidéo. Et là, je suis content parce que j'ai pas mal bossé dans le TGV qui m'emmenait et me ramenait de Franche-Comté. Et... As-tu vu le reportage super maîtrisant qu'Arte a fait au sujet de Twitch? Ah bon? Monsieur Biganon, diffusé récemment? Tu m'en parles? Bonjour, je rêve. Est-ce que Sam a encore un agenda papier? Ouais, ouais, j'adore. Je les garde. De temps en temps, je les relis. Mais oh là là, j'en faisais des trucs à cette époque. Voilà, j'aime bien. Et j'oublie, je le regarde jamais, donc j'oublie tous mes rendez-vous, mais c'est pas grave, j'aime bien. Et donc là, je suis content parce que j'ai mes 4-5 premiers invités de Samplay calés. Voilà. Est-ce que les gens allaient tenter de venir à la maison pour... Oui, ça y est, c'est en train de se caler. Et je pense que vous serez contents. Voilà. Ben, je suis content. Voilà. Pour l'hebdo Etienne, on sent que les gens sont encore en vacances. Hein. Ça va se caler, ça va se caler. Voilà. Ah bah pareil, Nausicaa, moi aussi j'ai un agenda à papier qui sert à rien parce que j'oublie mes rendez-vous. Ouais, pareil. Salut Alexandra, j'espère que tu vas bien. Est-ce que bien sûr, les invités, vous les connaissez. Dans l'hebdo Etienne, vous allez retrouver pas mal d'habitués de l'année dernière que vous avez bien aimé. Et puis dans Samplay, j'annoncerai semaine après semaine hein, l'invité. Je ne vais pas vous en dire plus. Je connais déjà le nom du premier ou de la première invitée, le nom de la deuxième ou du deuxième invité. Jusqu'à 5 émissions là, sur Samplay, je voulais un petit peu me rassurer, avoir un petit peu d'avance. Et je sais notamment celui ou celle qui sera notre, c'est important, premier invité de Samplay. Bon voilà, là il faut, voilà, c'est important le premier ou la première. Ah, il y a Aquamarine qui connaît l'agenda de Valérie Damido qui me dit que Valérie est rentrée de vacances pour être là pour la première. Il y a Remake par exemple qui mise sur Étoile avec Smash pour la première de Samplay. John me demande si j'ai toutes les consoles pour Samplay ou est-ce que tu vas te les faire prêter par les sponsors, les invités. Kif Kif Bourrico. Moi j'ai que la Switch via Malo, mais on va ou acheter si besoin ou demander aux invités de les amener. Voilà. En tout cas on a les PC puisque on a investi là. On a 3 PC maintenant avec Joe là. De Dieu. Voilà. Au niveau PC on a ce qu'il faut, notamment grâce à nos partenaires dont je vous parlerai bientôt. Carole CGM, merci beaucoup pour ce 20e mois d'abonnement, c'est beaucoup. Qu'est-ce qu'il dit? Merci beaucoup pour le 7e mois d'abonnement. Bonjour du Sud, bonjour de Paris, merci à toi. Spawn 1138, je te parle, merci pour le 24e mois d'abonnement, si, je sais plus. Ah non, il y a du matos, c'est du matos. Là, on passe l'après-midi à installer des trucs avec Joe, là. Et puis après, j'ai un copain dimanche prochain. Ouais, là, je reviens de Bretagne dimanche parce que j'ai un copain spécialiste de la lumière qui vient installer tout le matos lumière pour avoir une belle lumière sur l'hebdo Etienne et sur Samplay. On a vraiment investi. Ah, il y a mon amoureuse qui se réveille là. Enfin, qui se réveille. Elle est déjà arrivée depuis un moment. Coucou. Coucou, je suis en stream. Excusez-moi. Les échanges avec l'amoureuse, c'est plus important que tout. Voilà. Voilà. Et donc ouais, donc dimanche, donc donc cet après-midi grosse séance d'installation avec Joe, on va dire Real Prod quoi. Dimanche grosse séance de lumière très important, et on installe tout le matos que j'ai acheté pour la lumière. Et puis après on aura une grosse install son aussi puisqu'il y a des petites révolutions en matière de son à arriver pour avoir le meilleur son possible pendant Samplay, pendant l'hebdo Etienne. Voilà. Saison de fou, voilà. Saison de fou. Voilà. Bon, les nouveaux, les nouvelles, on va y aller parce que vous allez vous demander sinon qu'est-ce qu'on fait sur ce stream. Vous allez trouver ça très bavard. On est aussi là pour parler d'actualité. L'avantage du stream, on dit Bobodet, on t'a jamais vu couper les infos sur France TV pour envoyer un message à ta chérie. Si, mais je le fais plus discrètement, c'est tout. Est-ce que le monde de Twitch m'éclate toujours, me demande Rebord NNN, je trouve ça super cool le contenu que tu proposes et que tu te renouvelles. Merci. Non seulement je m'éclate toujours, mais je m'éclate de plus en plus. Et donc le temps que je récupère en arrêtant la matinale de France Info que j'ai adoré pendant 6 ans, mais le réveil à 2h du matin, j'ai décidé que c'était plus une bonne idée pour le corps, la santé, tout ça. Et donc du coup, ce temps que je récupère là, je vais l'investir sur Twitch. Donc non seulement je kiffe toujours, mais je vais m'investir beaucoup plus et vous allez me voir beaucoup plus souvent ici, que ce soit le matin ou le soir sur Twitch. Voilà, c'est l'année de... C'est l'explosion, c'est énorme. Voilà, et donc je garde Question pour un champion, mais pour l'instant, ça reste ma seule activité en médias traditionnels. J'adore faire les guillemets. Et beaucoup plus de temps sur Twitch. Voilà. Et plus de dodo, ouais, c'est-à-dire que le réveil va sonner au plus tôt à 5h du mat, au lieu de 2h du mat. Donc les 3 heures que je vais récupérer là, ça va faire du bien, je pense. Voilà. Merci Rebord. Personnellement, ça me fait super rire. T'es la source d'énormément de partage avec mes grands-parents. J'aime bien cette idée de créer du lien entre les générations. J'ai fait regarder une matinée Étienne à mon grand-père. L'autre jour, il était fasciné. Oh, il a dû trouver ça bavard, non? Je salue ton grand-père s'il est avec nous. C'est vrai qu'on est un peu bavard ici. Mais je continue Question pour un champion pour la... je ne sais plus, 8e saison. Ouais, ça fait 7 ans. 8e saison de Question pour un champion. Ouais. Oui. Attendez, attendez, attendez. Et puis donc beaucoup plus présent la saison prochaine, notamment parce que Alexandra m'en parle à l'instant. A priori, on a tranché cette idée. Vous savez, Question pour un champion, je l'enregistre 7 jours par mois. Donc il y avait, ces dernières années, il y avait 7 jours par mois où je ne pouvais pas être là le matin pour la revue de presse. Et ça m'ennuyait, ça m'ennuyait, ça m'ennuyait. Et donc je réfléchissais pour savoir comment je pouvais faire une revue de presse, même les jours où je faisais Question pour un champion. Je m'étais dit, bah, peut-être en me réveillant comme avant à 2h du matin, en faisant une revue de presse de 6h à 8h, vite fait, voilà. Mais c'était quand même très très tôt. Et quelqu'un dans le chat m'a dit, bah, t'as qu'à faire le soir. Et en fait, on a fait un sondage, et puis c'est tranché. Ce que je vais essayer de faire les jours de Questions pour un champion, c'est que je ne vais pas faire de revue de presse le matin, mais on va faire un stream d'actualité, hein, la soirée Étienne, le soir genre 20h, 22h, avec les journaux que j'aurais lus quand même, hein, le matin, et puis avec toute l'actualité du jour et avec le Monde qui sera sorti l'après-midi, quoi. Voilà, donc on va faire ça le soir. Il y aura 7 jours par mois où ce sera, où je serai là le soir à vous casser les bonbons là, avec mon actu le soir. Voilà. Donc on va être là tous les jours, quoi. Pour la matinée Étienne, soirée Étienne, du lundi au vendredi, tous les samedis soirs, l'hebdo Étienne, tous les dimanches soirs, Samplay. On va tout casser. On va tout casser. Florc, merci de l'encouragement, merci pour le 5e mois d'abonnement. On va tout casser. Concurrence aux 20h, exactement, Clatos Bright. TF1 et France 2, ils vont rien comprendre quand ils vont voir des millions de téléspectateurs partir sur Twitch. Ça va être de votre faute. Voilà. Alors, je suis assez content des solutions qu'on a trouvées ensemble, parce que je trouvais pas la solution là pour les 7 jours dont je vous parlais. Puis en fait c'est vous qui me l'avez soufflé, ça c'est cool, quoi. L'hebdo c'est le vendredi, hein. L'hebdo Étienne, comme l'an dernier, 20h le vendredi soir, on revient sur l'actu de la semaine avec 3-4 invités, et tous les dimanches soirs 20h Samplay, le jeu vidéo, on va se régaler aussi, voilà. Je pense que Kyo Yeou n'a pas regardé la télé depuis très longtemps, comme beaucoup d'entre vous d'ailleurs, et c'est pas forcément une mauvaise chose. Claire Chazal ou Samuel, il faut choisir. Claire Chazal ne présente plus le 20h depuis quelques années, mais c'est pas un mauvais signe, ça veut dire que tu regardes pas trop la télé, et en soi c'est pas grave en soi. Je pense qu'on peut avoir une très belle vie sans regarder la télé, sauf Question pour un champion bien sûr. Voilà. Tu dois faire un petit planning visuel pour la commu. T'as raison, monsieur Houch. Je pense que... je suis assez... Il y a Tourtemiel, c'est pareil, qui a regardé la télé depuis longtemps, qui dit, comment ça, il n'y a plus Claire Chazal? Ah non, ça fait longtemps. Je suis assez fier, écoutez, de... J'ai refait moi-même avec mes petits doigts, mes petits visuels sur ma chaîne Twitch. Voilà. Et je pense que je vais faire... un petit programme comme ça que je vais poster au même endroit sur la bio, là, ce qu'ils appellent la bio sur Twitch. Là, ici, là. C'est où Google? Ah, Google, Twitch. Regardez. C'est moi qui... J'ai refait tous mes petits visuels. C'est moi qui les fais, regardez. Abonne-toi. Merci pour ton sub, grâce à lui tu as un badge rutilant, tu as accès sans délai au replay sur ma chaîne Twitch, et surtout tu soutiens mon travail. Ici, c'est moi qui les fais. Ah mais je... Putain, je l'ai fait. Putain, je l'ai fait. Je viens de dire, je vais faire un petit visuel pour annoncer mes streams. Je l'ai déjà fait. Oh là là là, la fatigue, la vieillerie. Le programme, j'ai appelé ça le programme de fou. Et ça dit, putain, je l'ai fait. Putain, je suis fatigué. Hein. Pour te combler, espèce de belle personne, c'est toi. Tu trouveras sur cette chaîne la matinée Étienne, la revue de presse du matin, du lundi au samedi entre 9h et 12h. Je vais rajouter parfois le soir. L'hebdo Étienne, on revient sur l'actu de la semaine avec 4 invités chaque vendredi à 20h. Samplay, on plonge dans l'univers d'un jeu vidéo avec un invité chaque dimanche à 20h. et d'autres émissions avec des jeux de mots incroyables sur mon nom, l'exposition Étienne, la rencontre Étienne, la parole Étienne, je pense que tu as compris le principe. Donc je l'ai déjà fait en fait. Déjà fait. Voilà. Par contre, je pourrais peut-être remettre les programmes. Puis voilà. Et puis, rejoins-moi sur TikTok parce que j'y poste mon incroyable revue de presse express. Rejoins-moi sur YouTube parce que tu peux y retrouver tous les replays de ma chaîne Twitch et gratuitement en plus. Rejoins-moi sur X, Twitter parce que j'y annonce tous mes streams et plein d'infos pas toujours essentielles. Rejoins-moi sur Instagram parce que c'est grâce à mes réseaux sociaux que je vais mener une campagne éclair à la présidentielle de 2027. Mais chut, c'est un secret. C'est moi qui l'ai fait tout ça avec mes petits doigts. Voilà. Voilà. Donc j'ai déjà fait ce petit programme là. Voilà, mais je vais peut-être booster ça. Merci Estas Labilas pour ce 18e mois d'abonnement. Merci Attic34 pour ce 8e mois. Merci de votre soutien. Ouais, c'est moi qui l'ai fait avec mes petits doigts. Ouais, je sais, c'est pas très joli, mais c'est moi qui l'ai fait quand même. Ouais. C'est joli. Oh, c'est mignon. Il y a Marion qui dit c'est joli. Il y a Tarte à la bière qui dit c'est mignon. Ouais. Je peux aussi remplir le programme Twitch. Ouais, je sais, je le faisais avant. J'ai arrêté. Est-ce que vous y allez, vous? Vous savez, sur Twitch, vous avez un truc, c'est programme. Là. Voilà. Donc là, par exemple, c'est en train de se remplir automatiquement parce qu'il y a un live, par exemple. Mais vous pouvez le remplir à l'avance pour annoncer ce que vous allez faire. Et avant je le remplissais. Est-ce que vous y allez, vous? Non, non, jamais. Oui, oui, jamais. C'est quoi Twitch, demande Iflin. Oui, souvent, mais c'est jamais rempli. À une époque je le remplissais. C'est rarement respecté par les streamers, dit Bobo Dev. Oui, personne le remplit. Jamais je dois avouer. Oui, oui, oui. Je savais pas que ça existait, dit Nausicaa. Parfois, rarement, mais pratique. Je regardais avant, mais puisque tu le fais plus, j'y vais plus. Ouais. Ah, je pourrais peut-être le... Ouais, quand je connais mal le streamer, je vais voir. Je vais le refaire, je pense. Ça aide fortement au référencement de ta chaîne, Dinaboy. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça a l'air important. Ouais, ok, d'accord. Bon, je vais peut-être le refaire, alors. Peut-être le refaire. Comme ça va devenir très très régulier ici, et que ça va streamer violemment à partir de septembre, là, peut-être que ça serait bien de le refaire. Ouais. Ok, d'accord. Vous m'avez convaincu. Ok. Référencement, c'est l'algorithme Twitch. Les gens qui essaient de m'aider dans le chat, mais à mon âge, c'est compliqué de comprendre des mots comme ça. Référencement, algorithme. Pff, Twitch, déjà. Pas bien ce que c'est. Non, mais j'ai compris. C'est adorable. Tu sais, parfois j'ai l'impression qu'il y a des gens qui me prennent par la main, un peu comme une personne âgée adorable que tu rencontres au passage piéton, que tu as envie de faire traverser la rue. Et donc parfois j'ai l'impression que certains me prennent par la main ici, hein, en mode mais venez monsieur, n'ayez pas honte, donnez-moi la main, donnez-moi le bras, je vais vous faire traverser la rue. Hein. N'oubliez pas votre caddie, monsieur. J'ai l'impression que c'est un peu comme ça avec moi, vous êtes super gentil. Mon gâtre TV, merci pour le 21e mois. Faut parler plus fort. Ah mais non Samuel, on ne prend pas pour un vieux, dit Blacky Nonos, qui me demande quand même si j'ai pensé à bien m'hydrater. J'ai du café qui déshydrate. J'ai du coca zéro, je sais pas si ça hydrate. Voilà. Bon allez, les nouveaux, les nouvelles. Levez la main les nouveaux, les nouvelles, n'hésitez pas, n'ayez pas honte. C'est pas parce que je stream depuis 3 ans qu'il faut avoir honte de nous découvrir ici. Le coca c'est caca, dit Lève Neg pour résumer son regard sur ces substances là. Levez la main les nouveaux, les nouvelles. Évidemment il y a plein de gens qui sont sub qui lèvent la main. Je ne vous crois pas. Merci Pimpin Reine qui vient de prendre l'abonnement. Pimpin Reine à qui on a dédié ce stream qui est là pour la première fois tout à l'heure. Voilà. Bravo Pimpin Reine. À toi le joli petit badge. On est très café ici. Hein, les émotes ici, c'est les badges, c'est tasse de café, mug de café, thermos de café, grain de café. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait le matin en tout cas, la matinée tienne, on s'informe, on lit les journaux. Voilà, parce que moi je suis un amoureux de la presse écrite. Donc on lit les journaux du matin, Le Monde, Le Parisien, Libération, Le Figaro, La Croix, L'Humanité, l'Opinion, les Échos, hein, notamment. On lit ça. Je vous fais une petite sélection d'articles que je trouve importants par rapport aux faits d'actualité importants. Et parce que ces articles en particulier nous amènent un petit truc en plus par rapport aux articles qu'on a lus précédemment. Donc je ne relis pas tous les jours les mêmes choses. Et parce qu'ils sont bien faits, bien écrits. Et puis on en parle ensemble parce qu'on est sur Twitch, donc on discute, on fait des sondages, on débat, parfois on est d'accord, parfois pas d'accord, mais de tout dans une bonne ambiance. Voilà. Ouais. Pas de retour sur le JDD, ben je stream plus le dimanche, hein. Pierre-Yves. Certains me demandent ce que je pense du JDD nouvelle formule, hein, parce que, le JDD... le Journal du Dimanche, tel qu'on l'a connu pendant 70 ans, je crois, il est dead, hein, il est mort. Hein. D'après les estimations de la Société des journalistes, il y a 90% des journalistes du JDD, qui étaient encore présents il y a quelques semaines, là, qui, à la faveur du changement de l'éditorial, vont partir. 90% des journalistes estiment la Société des journalistes du JDD qui, là, d'ici à l'issue des semaines qui arrivent, vont partir. 90%. Donc, le truc aurait dû changer de nom, hein. C'est plus le JDD, c'est autre chose, c'est un autre journal qui a gardé le nom, hein, voilà, et donc nouvelle formule qui a connu 2 numéros que j'ai lus, hein, pour savoir ce qu'il y avait dedans, parce que j'étais abonné. Donc est-ce que je vais maintenir mon abonnement? Voilà. Moi je stream plus le dimanche de toute façon, vu le fait qu'on streamera le dimanche soir pour Samplay là, donc puis pour passer un peu de temps en famille quand même. Donc la question se pose plus. Est-ce que je vous aurais, si j'avais streamé le dimanche, continué à vous lire le JDD? C'est pas sûr. Au vu de ce que je suis en train de lire là, c'est pas sûr. Bon, enfin, ceci est une autre histoire. Katia Zorus, merci en tout cas pour ce sub. Manitou 6900, merci pour ce 6e mois d'abonnement. Est-ce qu'on se fait un petit sommaire? Well, yes. Est-ce qu'on se fait un petit sommaire, l'essentiel de l'actu en 2-3 minutes? Hein? Yes. Mallory dit, mais tu nous as pas dit qu'il fallait tout lire? Ouais, moi je lis tout, mais je ne vous lis pas tout. Hein. Si je vous lisais tout ce que je lisais le matin, le stream durerait 24 heures. Hein. Donc je lis tout, puis après je vous propose une sélection. Très subjective, c'est ma sélection. Après, vous la validez pas. Donc je vous fais une sélection, 1 ou 2 articles par journaux, et puis certaines actualités qui me semblent importantes à mes yeux. Mais donc c'est très subjectif, en fait le matin je vous fais une sélection. Et donc moi je vous incite à tout lire, y compris ce qui est loin de vos valeurs, de votre grille de lecture. Après moi je partage avec vous ce que je trouve être un contenu de qualité. Donc je lis tout, mais je ne partage pas tout, hein, c'est la petite nuance. Voilà. Voilà. On y va? Petit sommaire? Bah, par exemple là je lis le JDD en ce moment, mais je ne le partage pas avec vous, je le lis. Voilà. Puis voilà. Vous avez compris le principe, je pense. Merci Carpentoche pour le Prime. Bon, un petit coup de caféine. Je suis caféiné, mais à mort, là. Pff, mais à mort. Allez. La règle ici, c'est qu'on ne dépasse pas les 30 minutes d'introduction, parce qu'après, sinon, on part sur autre chose. Hein. Voilà. Donc, on y va. Petit sommaire. Aujourd'hui, plein d'actu intéressantes. D'abord, parce que le lundi, vos journaux reviennent sur l'actualité du week-end, des choses importantes de ce week-end, voire de la fin de semaine dernière. Par exemple, là, j'ai pas eu l'occasion de vous parler de cette décision du Conseil d'État de suspendre la dissolution du collectif écologiste Les Soulèvements de la Terre, qui était souhaité par le gouvernement, par le ministre de l'Intérieur. Pourquoi? Parce que c'est tombé vendredi. Voilà. Comme j'étais pas en stream samedi matin, j'ai pas pu vous en parler. L'Humanité revient. Ça, c'est un sujet important, une actu importante de ces derniers jours. On y reviendra. J'ai pas eu l'occasion de vous parler de ce viol barbare, hein, qui provoque énormément de réactions d'une jeune femme à Cherbourg. Eh bien, j'ai un article dans Le Figaro qui revient sur ce drame. Voilà. Donc moi, je ne suis pas un passionné de faits divers. Hein. Voilà. Il y a des médias, et notamment des comptes sur Internet qui, chaque jour, vont vous abreuver de faits divers, d'ultra-violence. Moi, je vous parle de ces faits divers que quand j'estime qu'ils... illustre une évolution de la société, ou alors quand il provoque beaucoup de réactions. Et là, c'est le cas. Ce viol, alors barbare, titre Le Figaro, parce que particulièrement barbare. Il y a quelqu'un qui me dit émuleur de couche, et t'as raison. Est-ce qu'il y a des viols non barbares? Non, t'as raison. Mais là, c'est particulièrement barbare. Voilà, c'est ultra violent. Et en fait, ça a provoqué beaucoup de réactions, pas seulement politique, y compris au sein de l'hôpital où la jeune femme a été admise, par exemple. Et là, je me suis dit, ok, je pense qu'il faut en parler. Ça aussi, c'est un truc dont on n'a pas parlé encore, mais je voulais y revenir. Ce sont ces dramatiques incendies à Hawaï, donc l'État américain. Pourquoi? Parce que le bilan est extrêmement lourd. Incendie très violent, 93 morts selon un bilan provisoire, 1 million de personnes disparues. Ça veut dire que ce bilan pourrait s'alourdir. Il y a une polémique sur l'île. Est-ce qu'on n'aurait pas pu éviter ce drame? Eh bien, on ira ça aussi. Puisqu'on parle d'environnement, il y a un sommet qui débute en Australie aujourd'hui de chercheurs sur la fonte accélérée de la banquise en Antarctique. Voilà. Un phénomène qui pourrait créer une spirale infernale, s'inquiètent ces chercheurs et Libération. Je vais vite, hein, je suis dans le sommaire. Environnement toujours, a priori c'est cool. Les panneaux solaires hein, pour réduire les émissions de CO2, énergie renouvelable. Bah pourtant, dans le Lot, hier, donc on est vraiment sur l'actu du week-end là, La Croix nous raconte qu'il y a plusieurs centaines de personnes, un millier de disparus, pardon, ma langue a fourché. À Hawaï, c'est 1 millier de disparus, pardon. Et non pas 1 million. Heureusement que vous avez corrigé. Non, non, mais heureusement que vous avez corrigé. Ma langue fourche parfois. On est plus intelligent à plusieurs que tout seul. Et on dit moins de conneries surtout. Et donc là, il y a plusieurs centaines de personnes dans le Lot qui ont manifesté contre un projet de parc photovoltaïque. Pourquoi? Parce qu'ils estiment que ça abîme le paysage. C'est moins joli. Voilà. Ça rappelle d'ailleurs le débat sur les éoliennes. Alors c'est intéressant parce que d'un côté, on nous dit... le pétrole caca, les émissions de CO2 caca, donc il faudrait développer les énergies renouvelables, bon bah il n'y a pas mille, hein, énergie solaire, énergie du vent, voilà. Et pourtant ça provoque des réactions comme ça, donc on va se pencher là-dessus. Merci, merci. Ouais. Alors oui, alors vous allez me dire, dis donc l'actu que tu m'as donné aujourd'hui est quand même super anxiogène. Oui. Mais il y a des trucs un peu plus souriants aussi, comme les vacances ratées. J'étais un peu surpris par ce dossier de Libération. Comment j'ai raté mes vacances? C'est Libération qui se penche sur les vacances ratées. Voilà. Sur bon, pourquoi pas. Voilà, sur les embouteillages, la météo pourrie, les accidents, les mauvaises rencontres. Libé donne la parole à des vacanciers qui ont loupé leur été. En vrai, j'aurais pu être hypé, mais je ne l'ai pas été. Je trouve que bon, ce dossier ne tient pas ses promesses. Ça arrive, mais du coup ce sera l'occasion de rigoler un petit peu. Ouais, la photo est rigolote. Ouais, la photo est trop mignonne. Ouais. Alors, je sais pas si c'est une petite vacancière ou un petit vacancier avec sa glace là et un temps de mer. Donc on est en Bretagne, hein, assurément, ou dans le sud-ouest, je sais pas. Et donc le dossier, je n'ai pas trouvé le dossier super réussi, mais je me suis dit tiens, bah, vous me raconterez vos vacances ratées, on va pouvoir rigoler ensemble. Alors lui, je sais pas comment se sont passées ses vacances, mais sa rentrée est en train de bien se passer. C'est Kylian Mbappé, donc l'attaquant star du PSG. Bon, grosse bisbille avec son employeur, avec le PSG depuis quelques jours. Là, ils ont un gros conflit autour d'un contrat renouvelé ou pas renouvelé. Et manifestement, les deux parties auraient trouvé un terrain d'entente puisque Mbappé, qui avait été écarté de l'équipe première, vient d'y être réintégré. C'est un peu le feuilleton de l'été. Moi, ça me fait marrer cette histoire. Et puis réfléchir aussi parce que les sommes en jeu sont gigantesques. Foot toujours, on va revenir, désolé, sur l'élimination des Françaises. Ouais. En quart de finale du mondial féminin en Australie et en Nouvelle-Zélande, hein, voilà, puisque c'est terminé. Vous avez peut-être vibré avec moi d'ailleurs, j'étais devant mon écran. C'était quand? Samedi matin, c'est ça, hein, sur France 2, avec cette séance de tir au but. On y a cru jusqu'au bout, mais les Françaises éliminées, c'est dommage. Et donc il reste 1 an au bleu pour briser le plafond de verre, nous dit l'Humanité. Pourquoi? Parce qu'en fait les Françaises n'ont jamais passé les demi-finales. C'était meilleur résultat, c'était en 2011, une 4e place. Voilà. Pourquoi dans un an? Parce que dans un an, c'est les Jeux Olympiques de Paris. Ah, puisqu'on parle de sport. Ella, j'adore ce prénom, Ella. Merci pour ce 15e mois d'abonnement. Ce truc, j'y crois pas du tout. Je n'y crois pas. Parce que je parle de sport, on parle de MMA, on parle d'octogone. Il y a les deux zouzous, là, les deux milliardaires, Elon Musk et Mark... Zuckerberg, qui disent qu'ils vont se friter dans un octogone de MMA. Il y a même une date, il y a même un lieu, le 26 août en Italie. C'est 2 milliardaires qui n'ont trouvé rien d'autre à faire, comme si t'es pas assez occupé, que se donner rendez-vous sur un ring pour se mettre sur la gueule. C'est n'importe quoi, dit Beyoncé. Horus, Roxy, merci pour le 3e mois d'abonnement et le gentil message. Je n'y crois absolument pas. Je crois à un pur truc de com marketing. Voilà. Bon, en même temps, je suis le mec qui avait annoncé sur Twitter que la France allait devenir championne du monde de foot féminin. Hein. Donc, je n'y crois pas du tout. Voilà. Bon, on va voir. C'est la première fois qu'un journal y consacre un article un peu sérieux. T'as 2 pleines pages dans l'IB sur ce truc. Voilà. En analyse un peu marketing, hein, pour dire que derrière ça, il y a surtout une OP com et marketing. Bon, là, vous n'avez pas besoin de Libération pour vous en douter. Je n'y crois pas du tout à ce truc. Voilà, très bizarre. Vous me direz ce que vous en pensez. Puisqu'on parle de réseaux sociaux, TikTok qui défraie la chronique, qui est souvent... Voilà. Je parle avec mon amoureuse. Et bah, TikTok a un aspect cool, c'est que bah, ça fait découvrir des bouquins à certains, puisque vous avez des TikTokers, des TikTokeuses, certains qui parlent de leur coup de cœur littéraire. Alors parfois pour des livres qui viennent de sortir, parfois pour des trucs un petit peu à l'eau de rose, et parfois pour des classiques de la littérature. Et ça a une vraie influence sur les ventes, c'est assez étonnant. Et les éditeurs et les libraires s'en sont rendus compte, donc ça c'est un des aspects cool de TikTok et parfois bien critiqué. Et puis on finira en beauté avec un article dans Le Figaro sur le succès de ce jeu vidéo Baldur's Gate 3. Voilà. C'est un peu le succès de l'été, sinon le succès de l'année. En tout cas, c'est une grosse surprise. Le studio lui-même, c'est un studio belge, Larian a été surpris par les résultats. Vente exceptionnelle cet été. Voilà. Alors c'est un article que j'ai lu dans Le Figaro de samedi et que je vous ai mis de côté parce que je trouvais... cool d'en parler. La masterclass des jeux vidéo, manifestement, il y a des amateurs. Tchernosaurus. Ouais. Baldur's Gate 3. Bien, vous avez joué, vous? Voilà, on parlera de ça à la fin. Vous avez joué, vous, à Baldur's Gate? J'ai passé 50 heures. Oh, le Corbis qui a passé 50 heures dessus cette semaine. Max dit surprise, pas vraiment. Pourtant... l'éditeur lui-même déclare que il ne s'attendait pas à ce succès-là. Pour un studio indé, le succès est remarquable, dit Sabéran. Vous êtes plusieurs à dire que vous ne voyez pas en quoi c'est une surprise. L'éditeur pourtant dit qu'il ne s'attendait pas à ce succès-là. « 60 heures cette semaine, Bud Stepper de Baldur's Gate ». Ah, le côté surprise, vous y croyez pas du tout. Ok. Ok. Mino Serolf dit une surprise, pas vraiment. Il a attendu depuis des années avec les sortes de Donjons et Dragons. Même les non-amateurs du jeu s'y sont intéressés. Ok. Oh, on lira ça, on lira ça. Mais vous êtes surpris par le fait que Le Figaro parle de surprise. Ok. J'ai l'impression que sur Twitch, ça a beaucoup joué à Baldur's Gate hein, ces derniers jours. Ok. Ok, je vois beaucoup de réactions. On est bien sur Twitch. Bon, ben voilà pour le petit sommaire, vous voyez, il y a des trucs. Bon, alors il y a des choses un peu dures, hein, un peu anxiogènes. Hein. Il y a des drames, il y a des inquiétudes, des trucs. Voilà. Et puis il y a des choses un peu plus légères. Voilà. J'essaie de vous dire ce qui marche pas dans notre monde pour qu'on puisse y penser et éventuellement trouver des solutions en tant que citoyen ou faire pression sur ceux qui ont les solutions. Et puis il y a aussi des trucs qui se passent bien ou des trucs un peu plus souriants, un peu plus légers, et je vous en parle aussi. Il y aura un horoscope. Oh oui, j'ai oublié l'horoscope. En direct, on corrige ça effectivement à la fin pour s'aérer un peu. On fait un petit horoscope et regardez, j'ai oublié de vous mettre de côté une petite capture d'écran qui va bien. Hop. Voilà. Et donc on fera un petit horoscope à la fin et notamment on lira Lyon pour fêter un anniversaire, voilà. Mais il y aura le concours de rapidité aussi, voilà. Merci à la personne de me le rappeler, c'est MMG7F qui m'a dit qu'il manquait l'horoscope. Bien joué, bien vu. Merci Malof, idem, vous êtes concentrés hein. Allez, oui, oui, il y a quelqu'un qui fête son anniversaire aujourd'hui dans le chat là, donc on lira Lyon. On lira Lyon, mais on lira un autre signe, bien sûr, aussi. Très important l'horoscope. Pas du tout, mais c'est ça qui est bien. Samuel, j'ai la peinture de la salle de bain à terminer. Est-ce que tu serais pas motivé à faire 3 heures de route pour venir m'aider? Je t'offrirai un café. Yveline, c'est une proposition assez tentante, ma foi. Moi, c'est le seul truc que j'aime faire, c'est la peinture dans le bricolage. Si, on parlera de Neymar et Mac. On parlera de Neymar aussi. Donc, c'est assez tentant. Un café, 3 heures de route et des heures de peinture. Je vais y réfléchir. Je vais y réfléchir. Je vais voir. Allez, vous avez le sommaire. Vous avez même sur TikTok, Instagram et Twitter, enfin X, une revue de presse express qui dure selon les formats entre 1h30 et 5 minutes. Et maintenant, c'est parti pour la revue de presse qui va nous occuper un bon gros 2 heures, 2h30. Moi, je vous laisse au plus tard à 12h30 ce matin, puisque après, j'ai Joe qui me rejoint pour qu'on prépare la rentrée. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous me donnez un go? Give me a Y, give me a E, give me a... Yeah. C'est la fête. Ça y est, tout le monde y va de ça. Son petit message là. Moi aussi, c'est mon anniversaire, dit Bredzouille, et je suis bélier. Ouais, 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 ouais. On verra, on verra. Popo Vigno, merci pour le 14e mois d'abonnement. C'est que le début. D'accord, d'accord. J'ai pris mon accent de Francis Cabrel. Pour ceux qui n'ont pas la ref. Yes, baby go. Alors on y va. On y va. Alors ça, c'est une info importante de vendredi. Mais comme elle est tombée alors que j'étais déjà plus en stream, eh bien, je ne vous l'ai pas donnée. Et pourtant, on y revient parce que c'est une info essentielle de ces derniers jours. Le Conseil d'État a donc, non pas annulé, mais a suspendu la dissolution du collectif écologiste Les Soulèvements de la Terre, dont on a beaucoup parlé notamment lors des manifestations contre les méga-bassines. Une dissolution souhaitée par le gouvernement, on va y revenir, pourquoi, et donc qui est suspendue, donc c'est quand même un, comment dire, un revers pour le gouvernement et pour le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, on y revient. Les Soulèvements de la Terre, Darmanin fait profil bas, nous dit l'Humanité, je vais vous dire pourquoi. Zoomons avec nos petits doigts. D'ordinaire si prompt à dégainer à la moindre actualité, y compris au milieu de l'été, Gérald Darmanin est cette fois resté bien silencieux, constate l'Humanité. Pas un tweet, pas une intervention médiatique. Le ministre fait comme si le Conseil d'État ne lui avait pas infligé un sévère camouflet en suspendant donc ce décret de dissolution du collectif écologiste et soulèvement de la Terre. Bon, factuellement, hein, même sans éditorialiser, c'est vrai que c'est un camouflet. Alors, pour le ministre de l'Intérieur ou pour le gouvernement, pour l'exécutif, c'est un revers. Quand tu prends une dissolution comme ça, tu décides une dissolution d'une association, d'un groupement, et que le Conseil d'État te suspend cette dissolution derrière, hein, c'est un camouflet. Alors, moi j'ai laissé passer un papier ces derniers jours que je ne vous ai pas lu, mais je le regrette, qui s'interrogeait. Est-ce que c'est Gérald Darmanin qui a vraiment voulu ce truc? Le papier disait, mais on n'avait pas les sources, quoi, que en fait c'était vraiment un souhait de l'Élysée, que ce serait le président Macron qui aurait insisté pour que Gérald Darmanin décide cette dissolution. Voilà. Donc le problème c'est qu'il n'y avait pas, évidemment, il n'y a pas de source, quoi. C'est pas une déclaration officielle de l'Élysée, quoi. Et que Darmanin était pas chaud, notamment pensant que sur un plan juridique c'était un peu léger. Bon. Donc c'est une des questions, mais on n'a pas la réponse, hein, c'est de savoir pour qui c'est un revers. Est-ce que c'est pour Darmanin ou est-ce que c'est pour l'Elysée? Quand je dis l'Elysée, c'est le président de la République, bien sûr. En tout cas, c'est un revers pour l'exécutif. Shadow is not dead, tout à fait. Petit dragon vert de rage, bien le bonjour, merci pour ce 16e mois d'abonnement. J'entends pas, est-ce que c'est... Alors, il y a Lapin qui dit, mais est-ce que cette suspension de dissolution n'est-elle pas politique elle-même? Les conséquences de cette dissolution sont politiques. Après, le Conseil d'État, c'est un contre-pouvoir. Et dans une démocratie, ben c'est important d'avoir des contre-pouvoirs. Vous savez ce qui se passe en Israël autour de la réforme de la justice, là? Et en fait, l'affaiblissement de la Cour suprême israélienne, c'est exactement ça. C'est-à-dire que vous avez le système politique israélien, c'est un système politique assez compliqué, avec un exécutif... qui a, quand il est soutenu par le Parlement, qui est tout puissant, avec très peu de contre-pouvoirs, quoi. Et justement, un des rares contre-pouvoirs en Israël, c'est la Cour suprême, c'est comme ça qu'ils l'appellent là-bas. C'est la Cour suprême, ouais. Et donc la réforme de l'exécutif, de la justice, tend à affaiblir ce contre-pouvoir. Bon ben, en France, on a des contre-pouvoirs. Le Sénat a une forme de contre-pouvoir. Il y a deux chambres, c'est un système bicaméral. Il y a le Conseil constitutionnel, il y a le Conseil d'État. Voilà, on peut considérer que la presse est une forme de contre-pouvoir aussi. Dans une démocratie, c'est bien qu'il y ait des contre-pouvoirs. Bon ben là, on est dans ça. On est dans ça. C'est pas inintéressant. Lisons. Le ministre fait donc comme si le Conseil d'État ne lui avait pas infligé un sévère camouflet, en suspendant ce décret de dissolution des écologistes du soulèvement de la Terre. En réponse, le ministère de l'Intérieur se contente, dans une lapidaire déclaration, donc c'est pas Darmanin, c'est son ministère, de prendre acte et de rappeler que cela ne préjuge pas de la décision que le Conseil d'État prendra au fond concernant cette dissolution, puisqu'une décision au fond sera rendue dans quelques semaines, ce serait à l'automne. Là, c'est une décision en urgence de, non pas d'annulation, mais de suspension. Alors, on va rappeler pourquoi le gouvernement a décidé cette dissolution des soulèvements de la Terre. C'était après les affrontements violents, vous en souvenez sûrement, entre manifestants et forces de l'ordre à Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres, fin mars. C'était une manifestation contre les bassines de rétention d'eau voulues par certains agriculteurs. Les soulèvements de la Terre, eux, se sont réjouis d'une première victoire. Leur sort définitif devrait être tranché à l'automne par le Conseil d'État. Saisi par plusieurs de ses membres et d'une trentaine d'associations de défense de l'environnement, le juge des référés a estimé quelle est la motivation de cette décision. Qu'il y a un doute sérieux sur la légalité du décret ministériel et que la dissolution, une dissolution d'une association ou d'un mouvement, dans une démocratie, une dissolution, ce n'est pas un acte anodin, c'est extrêmement fort. Il faut que ce soit motivé. Le Conseil d'État estime que ça n'a pas été suffisamment motivé, que la dissolution porte atteinte à la liberté d'association, à la liberté d'expression, à la liberté de manifestation. Je cite le Conseil d'État. Ni les pièces versées au dossier, ni les échanges lors de l'audience ne permettent de considérer que le collectif cautionne d'une quelconque façon des agissements violents envers des personnes, puisque c'était toute la question. Le Conseil d'État qui met en avant le nombre limité des atteintes aux biens revendiquées par les soulèvements de la Terre au nom de la désobéissance civile. En clair, selon le Conseil d'État, selon la juridiction, le ministère de l'Intérieur n'a pas apporté assez d'éléments pour justifier cette dissolution. Dans un état de droit, il faut justifier une décision aussi importante qu'une dissolution, bien sûr. Pour justifier une dissolution, je cite, « ni nécessaire, ni adaptée, ni proportionnée à la finalité » de sauvegarde de l'ordre public. D'ici la décision définitive du Conseil d'État, donc à l'automne, les 150 000 personnes se revendiquant des SLT peuvent poursuivre leur action sans s'inquiéter d'un risque pénal pour maintien ou reconstitution de ligues dissoutes. Le convoi de l'eau, manifestation contre les méga-bassines entre Sainte-Soline et Paris du 18, c'est dans 4 jours, au 27 août, pourra donc se tenir. Voilà pour les faits, je vous lis. Ouais, je vois Renifleur de Paix, c'est intéressant ce que tu me dis. Après, c'est formel, je suis pas sûr que ce soit suffisant pour répondre à la question sur l'Elysée que je posais tout à l'heure. Lapin dit, ah, donc du coup, on n'est pas juste sur une guerre politique entre des mouvements politiques opposés, c'est vraiment le juridique qui a dit à l'exécutif, non, cette dissolution est interdite. Ah, pas interdite, mais cette dissolution est insuffisamment motivée. Eco dit un pays sans opposition, sans contre-pouvoir, ça s'appelle un régime totalitaire, non? Oui. Gérald 95. Ah, la bonne nouvelle. Une bonne nouvelle amoureuse du côté de Gérald 95 qui nous avait fait vivre ce feuilleton. Beaucoup, il y a eu du stress et de l'inquiétude, mais manifestement, vous allez pouvoir vous retrouver entre amoureux. Jacques, c'est une bonne nouvelle et merci pour le 6e mois d'abonnement. Alors, sur le Conseil d'État, je vous lis un petit peu. Poète demande s'il n'y a rien sur la dissolution du sucre dans le café. Non, rien. Désolé. Mister Svenja, moi j'aime bien ton commentaire. Mister Svenja nous dit « Autant je n'approuve pas leur action, donc des soulèvements de la terre, autant je trouve cette décision juste, ils ont le droit de manifester. » Bon, les gens qui disent dans une démocratie « Je suis pas d'accord avec toi, mais je suis d'accord pour que tu puisses t'exprimer. » C'est un peu ce qu'on essaie de faire ici. Je dis bravo monsieur ou madame. Norel, merci pour le prime, c'est adorable. Il y a Gertie qui nous cite Coluche. La dictature c'est ferme ta gueule, la démocratie c'est cause toujours. Ouais, pas mal. Non, en vrai, c'est le Conseil d'État comme ça suspend une décision de l'exécutif, ça arrive pas tous les jours. Hein. C'est vrai que c'est un vrai revers pour l'exécutif. Voilà. Bon, j'étais content que l'UMA y revienne ce matin, puisque c'est une actu importante de ces derniers jours. Vous avez un petit peu les clés de ce feuilleton qui va se poursuivre, parce qu'il va y avoir d'autres manifestations, vous l'avez compris. Ça commence dans 4 jours, contre ces méga bassines hein, de rétention d'eau voulues par certains agriculteurs pour pallier le manque d'eau en période de sécheresse, par exemple, voilà. Et contre lesquels ces méga bassines, certains écologistes sont opposés. Ça tombe bien parce qu'on va parler un petit peu d'écologie tout à l'heure, mais de la même manière, alors que ça a quelques jours cette actualité, je voulais revenir sur celle-ci, puisque je vous en avais pas parlé encore, de ce viol barbare. Quelqu'un me disait tout à l'heure, mais un viol c'est toujours barbare, mais celui-ci il est particulièrement. Ce viol barbare d'une femme à Cherbourg qui suscite l'indignation, il y a énormément de réactions politiques, mais pas seulement. Les faits d'abord, donc c'est Le Figaro qui revient ce matin de façon tout à fait sobre et factuelle. Âgée de 29 ans, la victime était toujours entre la vie et la mort dimanche. Un suspect connu des services de police a été mis en examen et placé en détention. Bon, connu des services de police, ça veut rien dire, mais peu importe. Enfin, ça veut rien dire. Juridiquement, ça n'a pas trop de sens. Mais l'article est assez carré. Selon le témoignage de la victime, qui depuis a été placée en coma, un homme s'est introduit donc à son domicile pour la frapper et la violer plusieurs fois, notamment avec un manche à balai de 75 cm. Il y a Krugette qui me dit le récit glace le sang. Ouais, c'est d'une inhumanité folle. Les médecins ont diagnostiqué une perforation du côlon, de l'intestin grêle, du péritoine, du diaphragme, un pneumothorax, des fractures aux côtes et un risque élevé de choc septique. Opérée pendant plusieurs heures, la jeune femme a été plongée dans un coma artificiel. Elle était hier toujours entre la vie et la mort. Un fichier automatisé des empreintes digitales a permis d'attribuer une trace laissée sur une porte chez la victime à un individu, Oumar N, né en 2004, déjà connu des services de police pour des affaires de violence. Un suspect mis en examen vendredi pour viol accompagné de torture ou d'actes de barbarie, qui a été placé en détention provisoire. En garde à vue, l'individu a d'abord nié les faits avant de finir par les reconnaître. On va rappeler que tout suspect en droit, dans un état de droit, est reconnu innocent jusqu'à sa condamnation, et que ceux qui suivent l'actualité judiciaire le savent, il arrive, pour des raisons étranges, mais il arrive que parfois un suspect reconnaisse des faits dont il est innocent. Voilà. Ça arrive. Donc lui reconnaît les faits. Manifestement, une empreinte digitale a été retrouvée sur la porte de la victime, donc ça fait beaucoup d'éléments contre lui, mais jusqu'à sa condamnation, il est considéré comme innocent. Pourquoi je vous en parle ce matin? C'est parce que cette agression, ce crime, ce viol sauvage a suscité un émoi considérable chez les professionnels de santé, de l'hôpital, pourtant confrontés à des situations difficiles au quotidien. Vous savez, les personnels soignants, médecins, infirmiers, infirmières sont habitués à voir des choses dramatiques, et pourtant, eh bien, ils ont été extrêmement choqués. Une cellule psychologique a été mise en place, nous raconte Le Figaro, pour le personnel de l'hôpital Pasteur de Cherbourg, où la victime a été transportée. Choqués par la gravité des blessures de la jeune femme, certains membres du personnel ont craqué, ont fondu en larmes. Même ressenti du côté des policiers qui ont travaillé sur cette affaire, les enquêteurs ont rarement vu une affaire aussi atroce. Les faits sont barbares, dit un proche de l'enquête. Réaction politique aussi. Au niveau local et national, je veux témoigner de ma solidarité auprès de la victime et lui faire part, ainsi qu'à sa famille et à ses proches, de notre complète solidarité, a dit le maire de Cherbourg en Cotentin. Courage à la victime de 29 ans, énième vie brisée par la barbarie qui gagne la France. Ça, c'est une réaction de Jordan Bardella, qui est le président du Rassemblement National. Et puis Éric Zemmour a réagi lui aussi. Je rêve d'une France où une jeune femme ne risque pas de finir dans le coma après avoir été cambriolée, violée, atrocement torturée par Oumar, le multi-récidiviste, dans sa propre maison. Donc, du côté des politiques, les réactions qualifiée par certains de tentative de récupération. Ainsi, à gauche, par exemple, la députée écologiste Sandrine Rousseau, qui a exprimé sa solidarité et son soutien à la victime, a déclaré: un criminel doit être condamné pour ces crimes, qu'ils s'appellent Oumar, Francis, Michel, Émile, Guy ou Patrice. La barbarie, la perversion, le vice n'ont ni couleur de peau ni nationalité. Se servir d'un acte odieux pour sous-entendre que les immigrés sont des violeurs et racistes, a également écrit sur Twitter, en référence aux réactions de responsables du RN et du parti d'Éric Zemmour, a également écrit sur Twitter Olivier Faure, qui est le premier secrétaire du Parti Socialiste. Voilà, derrière se greffe une polémique politique, mais est-ce vraiment étonnant? Sujet lourd, hein. Enfin, c'est atroce là, ce qui vient de se passer. Voilà. Donc il y a les faits, et puis il y a le débat politique qui vient se greffer dessus. J'ai envie de dire comme d'habitude. Voilà, je vous lis là-dessus. Alors Saint-Glinglin dit: le côté récidiviste devrait faire réagir sérieux. Alors le côté récidiviste est pas avéré, quoi, pour l'instant, hein. Voilà. Parce que la phrase déjà connue des services de police pour des affaires de violence, c'est quand même super flou, quoi. Donc là on manque d'informations. Parfois ça va un petit peu vite, hein. Parfois voilà, y a des indiscrétions policières très vite comment dire utilisé par certains médias, puis on se rend compte quelques jours après que c'était pas ce qu'on imaginait. Voilà. Donc c'est pas le côté récidiviste n'est pas à ce jour avéré, confirmé, quoi. Là il faut attendre le procès, quoi. Remake dit encore une fois: ça va être la fiesta de l'amalgame. C'était la fête sur CNews hier soir, me dit Remake, quand je suis tombé dessus. La gauche dit rien, dit Orgrim. Si, je viens de citer deux élus de gauche. Voilà, bon. Là, que dire? On est pour les faits qui nous occupent ici, on est au-delà de l'humanité, on est dans l'inhumanité, on est dans la barbarie. Voilà. La négation de l'humanité. Voilà. Ça ne peut susciter, le Figaro dit indignation, ça peut ne susciter que condamnation, on enfonce des portes ouvertes ici. Et évidemment, il faut que la justice fasse son travail et que l'auteur des faits soit puni à la hauteur du crime qu'il a commis, quoi, évidemment. Voilà. Voilà, Jarlef évoque des faits dont se serait rendu coupable le suspect ici. Voilà, le Figaro parle de sources policières. Voilà, ça me semble trop juste pour les évoquer, puisque ça manque un petit peu de vérification, cette histoire-là, quoi. Mais je reviendrai dessus dans les prochains jours si on a d'autres infos. En tout cas, voilà, c'est un sujet extrêmement sensible, voilà, et qui provoque beaucoup d'émotions, y compris dans le chat. Et je vous félicite parce que sur des sujets comme ça, voilà, je vois une certaine tenue dans le chat, malgré le côté extrêmement sensible de cette information. Voilà, vous arrivez à en parler de façon à peu près correcte entre vous, quoi. Voilà. On y reviendra. On y reviendra. Moi, je veux pas, même si je suis pas un, comment dire, un passionné de faits divers, contrairement à certains médias, je pense qu'il faut pas non plus occulter ce genre d'informations. Autre drame, désolé, je commence par les vraiment très mauvaises nouvelles. C'est ce qui vient de se passer aux États-Unis, sur l'île d'Hawaï. Hawaï, c'est un État américain. Sur l'île de Maui, précisément. Des incendies extrêmement violents, au moins 93 morts, bilan provisoire. Provisoire parce qu'il y a 1 millier de personnes qui seraient portées disparues. Donc ouais, ce qu'on peut craindre là, c'est qu'en fait le bilan soit beaucoup plus lourd. Alors qu'est-ce qui s'est passé à Hawaï? Vous avez peut-être vu les images à la télé ou sur les réseaux sociaux. Traditionnellement, Hawaï en été, c'est synonyme de soleil radieux, d'humidité, de pluie ponctuelle, mais pas d'incendies sauvages comme les trois qui ont ravagé une partie de Maui, la deuxième plus grande île de l'archipel américain dans le Pacifique. 1 millier de personnes sont encore portées disparues, 2200 bâtiments ont été détruits ou endommagés. Si l'origine des feux est encore inconnue, la rapidité avec laquelle ils sont propagés a pris tout le monde de court. C'est là où il y a débat et c'est là où il y a un petit peu polémique. Merci Magicien 6. Merci, désolé, hein, je vous donne beaucoup de mauvaises nouvelles pour commencer, mais après on va passer à des trucs un peu plus cool. Merci Magicien 6 pour les bits, merci Norel pour le prime. Si l'origine des feux est encore inconnue, la rapidité avec laquelle ils sont propagés a pris tout le monde de court. Alors c'est là où il y a polémique. La communauté scientifique y voit la conséquence d'une combinaison de facteurs. D'abord l'urbanisation de l'archipel. Les terres utilisées hier pour l'agriculture sont désormais des zones résidentielles. Il y a des plantes tropicales, des arbustes non natifs, très inflammables, qui ont pris le dessus, qui augmentent le risque d'incendie de manière significative, dit un spécialiste des incendies de l'université de Hawaï. Il y a d'autres éléments pour expliquer la tragédie. La sécheresse inhabituelle. Excusez-moi, je vois un commentaire. Qu'est-ce que c'est que ce commentaire, Fable? Ouais, tu t'es pris un ban provisoire de 10 minutes de Captain McBernick. Après ton dernier commentaire, c'est quoi ce... Attends, je remonte dans l'historique d'un viewer là, qui vient de se prendre un ban là. Ah ouais, d'accord, c'est ton deuxième... Ah ouais, d'accord, ok, ouais. Ok, je ne lis pas le commentaire qui a provoqué le ban pour pas donner de publicité et d'écho. Ça n'a évidemment rien à voir avec le sujet qu'on est en train d'évoquer. Le prochain c'est Bandef, hein. Donc ici on est ensemble pour essayer d'échanger de la façon la plus paisible et intelligente possible. On fait des efforts chacun, quoi, y compris moi. Parfois je suis pas le plus malin du bocal, mais je fais un effort. Donc tout le monde fait un effort ici. Donc, là tu fais pas beaucoup d'efforts. Le prochain, évidemment que ce sera un Bandef, parce qu'on n'a pas besoin de ce genre de commentaires déplacé, et puis en plus qu'on n'a rien à voir avec le sujet, quoi. Voilà. Hein, t'es averti, presque tu fais ce que tu veux. Hein. Donc il y a la sécheresse inhabituelle qui règne sur une partie des îles hawaïennes. Il y a aussi ces vents forts à plus de 100 km/h par heure qui auraient aggravé la situation. Voilà. Et puis il y a aussi des experts qui affirment qu'une meilleure gestion des terres délaissées sur fond de déclin de l'agriculture locale, envahie par les espèces végétales invasives et combustibles, aurait pu limiter les risques. Donc il y a peut-être une responsabilité humaine. Là où la responsabilité humaine est la plus évoquée, c'est dans la gestion de l'alerte. Autre sujet d'inquiétude, le célèbre système d'alerte de l'État, hein, à Hawaï, composé de plusieurs centaines de sirènes installées sur tout le territoire pour avertir les habitants en cas de danger imminent, tsunami, éruption volcanique. Et le problème, c'est que ce système d'alerte, alors qu'il y a eu au moins 90 morts, n'a pas été activé. Alors, est-ce qu'il y a eu une défaillance technique ou est-ce que ça a été une décision délibérée des opérateurs? Le fameux système d'alerte d'Hawaï avec toutes les sirènes n'a pas été activé. Autre problème, l'incendie a entraîné des coupures de courant qui ont empêché les habitants d'être informés par la radio et la télévision. Voilà, les habitants qui auraient peut-être pu échapper aux flammes. Nous n'avons pas prévu de solution de secours pour assurer la sécurité des habitants, reconnaît une élue démocrate de l'archipel. Au plus fort de la crise, hein, le numéro d'urgence, le 911, le 911, on est aux États-Unis, a même cessé de fonctionner. Donc il y a des raisons écologiques, enfin, climatiques, de météo, avec la sécheresse, le problème de la végétation, l'évolution du visage de l'île, notamment sur le plan agricole. Et manifestement, il y a peut-être une responsabilité humaine aussi dans la gestion de l'alerte, quoi. Voilà. Je vous lis un petit peu là-dessus. Et puis on continue à parler d'environnement avec un sommet qui débute en Australie aujourd'hui sur l'Antarctique. Voilà. Je commence bien par les mauvaises nouvelles ce matin. Sarah qui dit mais c'est scénarisé, on dirait un mauvais film, c'est pas possible. Ben ouais, c'est fou, hein, quand l'actualité ouais, dépasse la fiction, quoi. Ouais. Merci Bunowa. Coucou à toi, merci pour le 6e mois. Les bans, ça bannit de commenter. Moi, maté méchant. Ça n'empêche pas de regarder, bien sûr. Merci sur Dunky pour le coucou et salut à toi. C'est pas mal ce que dit Choupichon. Choupichon il dit ayez une radio à pile chez vous, c'est ultra important. Pour en cas de coupure de courant, pouvoir continuer à recevoir les informations. C'est pas débile ce que tu dis. Alors, environnement toujours, avec ce sommet qui débute en Australie, de chercheurs qui se penchent sur l'Antarctique, qui font alors non pas en larmes, mais en alarme, Libération aime bien jouer avec les mots. À partir de ce lundi, donc, des chercheurs se réunissent en Australie pour évoquer la diminution rapide, voire irréversible, c'est un petit peu embêtant, de la superficie de la banquise, jamais depuis le début des relevés en tout cas, une surface aussi petite qu'en 2023 avait été mesurée, un phénomène qui pourrait créer une spirale infernale accélérant le réchauffement climatique et la montée du niveau de la mer. Bon, ça fait un petit peu froid dans le dos, lisons ce papier d'Anaïs Morand. À partir de ce lundi à Hobart en Australie, des scientifiques du monde entier, experts des terres de glace, se réunissent pour un congrès de 4 jours. L'objet du symposium, les métamorphoses rapides, voire irréversibles, subies par le continent blanc, donc l'Antarctique, à cause du dérèglement climatique, le lien crucial entre les mésaventures de l'Antarctique et le quotidien des humains, alors même que le territoire est désert et la vie ordinaire à des milliers de kilomètres de là. C'est la nouvelle de l'année 2023 la plus commentée venue du continent de glace, nous dit Libé. Malgré l'arrivée de l'hiver dans l'hémisphère sud, eh bien la banquise qui se forme par la congélation de l'eau de mer salée sous l'effet du froid peine considérablement à se reconstituer cette année. En juillet, elle s'étendait sur un peu plus de 13 millions de kilomètres carrés, 15% de surface en moins que la moyenne mesurée pendant la période référence pour ce seul mois, période référence 81-2010. Jamais une superficie aussi petite n'avait été enregistrée pendant ce mois depuis le début des relevés satellites en 1979. D'autant qu'en février, période de l'été austral où la banquise est à l'inverse la plus réduite, eh bien, une fonte inédite avait déjà été enregistrée et avait remis la communauté scientifique sidérée face à une glace de mer réduite à un pic minimal. 2023 trouble les experts car des décennies durant, la glace de mer du pôle sud, hein, on est dans l'Antarctique, avait plutôt semblé échapper au sort de l'Arctique, pôle nord, grignoté d'année en année sous l'effet du réchauffement climatique. Et jusque-là, bah, l'Antarctique, pour des raisons d'ailleurs qu'on avait du mal à comprendre, échappait à ce mouvement, et bien ça semble terminé. Parmi les multiples facteurs actuellement explorés, la surchauffe des océans, dont on a déjà parlé ici cet été, est d'ores et déjà mise en avant, hein, puisque l'année 2023 a enchaîné les températures hors normes à la surface des eaux du Pacifique, de l'Atlantique, de l'océan Indien, pour atteindre le 30 juillet, on est en surface, hein, la moyenne inégalée de 20,96 degrés. Salut à toi, Décadrem. Beaucoup de spécialistes craignent que l'Antarctique plonge dans une spirale infernale. De quoi s'agit-il? Une banquise moins étendue pendant l'hiver austral, signifie une fonte plus rapide de ladite banquise en été et par extension l'accélération du réchauffement de l'atmosphère et des eaux, puisque celle-ci absorbe les rayons du soleil, les eaux, contrairement à la banquise qui les réfléchit. Voilà l'explication de cette crainte de spirale infernale. Concrètement, quel risque associé pour nous, hein, à la réduction brutale de cette banquise du sud? D'abord le détraquement de l'écosystème, puisque la mer gelée sert de repère au krill, hein, le plancton qui se nourrit d'algues de glace sans lequel la chaîne alimentaire dysfonctionne. Moins de glace de mer, moins de krill, moins de nourriture pour les manchots, les phoques, les baleines, les poissons, et à terme aussi moins de pêche durant des décennies pour les humains. Autre conséquence, le déséquilibre de l'eau profonde et froide de l'Antarctique, véritable pompe du tapis roulant mondial des circulations océaniques, des mouvements qui régissent notre climat en permettant de transporter des nutriments, de l'oxygène, d'homogénéiser les contenus en sel et la température de l'eau, disent les spécialistes. Si ces courants océaniques ralentissent, ce sont les circulations régionales et donc nos météos locales qui seront affectées. Troisième effet, c'est pas terminé, de la disparition de la banquise, la hausse du niveau de la mer. Hop, je zoome encore un petit peu. Voilà. Entre 92 et 2020, La calotte antarctique a déjà perdu en moyenne quelques 100 milliards de tonnes de glace tous les ans, provoquant une augmentation du niveau mondial de la mer d'environ 7 mm chaque année. En cas de fonte totale, la calotte de glace de l'Antarctique occidentale pourrait à elle seule accroître le niveau mondial de la mer de presque 4 mètres. Les dernières observations en Antarctique s'avèrent bien pires que la courbe la plus pessimiste du GIEC. Nous sommes dépassés par la réalité, dit une spécialiste. Pour l'avenir de l'humanité, il faut qu'on prenne collectivement conscience que tout survient de manière bien plus rapide et bien pire que ce que nous pouvions imaginer. Bon, désolé, ce matin je commence par les mauvaises nouvelles. Allez, je vous lis un petit peu sur ce sujet. La fin du monde, dit Akoufen. Salut Keishi Vongola, merci pour le message et bienvenue à toi. On se croirait dans Don't Look Up, Shad. So, ouais, c'est exactement ça. Actu noire ce lundi. Elisa, t'inquiète, il y a des choses un peu plus légères qui arrivent. Caradoc est parti se recoucher déjà. Bon, alors je vais finir sur un mot positif et optimiste là-dessus. Pour avoir beaucoup parlé de ces sujets avec... des spécialistes des questions environnementales, notamment dans l'hebdo Étienne la saison dernière, le message qu'on peut retenir de ces gens-là, c'est ouais, c'est flippant, ouais, c'est angoissant, mais sachez que dans le combat pour limiter les émissions de CO2 et entraver les changements climatiques, tout geste compte, toute mobilisation compte, qu'il n'y a pas de petits gestes, de petites mobilisations, et que tout est bon à prendre pour limiter les conséquences du réchauffement climatique. Donc oui, effectivement, on a du retard. Oui, on aurait dû réagir il y a bien longtemps. Oui, la réaction n'est pas aujourd'hui encore à la hauteur du dérèglement climatique. Mais malgré tout, tout ce qu'on pourra faire est bon à prendre, puisque ça permettra, à minima, de réduire les conséquences, parfois dramatiques pour les humains, de ce réchauffement climatique. Voilà. La crapote pose la question, est-ce que c'est pas trop tard? Non, voilà. C'est jamais trop tard, comme le dit Naboy d'ailleurs. Voilà, jamais. Voilà. Bien sûr qu'on va parler de sport, Momo. Bien sûr, c'est prévu. Allez, on aura l'occasion d'en parler, bien sûr. Alors c'est le hasard de l'actualité, mais j'enchaîne avec ce constat qu'il faut faire des choses avec un article dans La Croix, le journal La Croix, sur le fait que des centaines de personnes ont manifesté hier dans le Lot contre un projet de parc photovoltaïque de 19 hectares. Donc les panneaux solaires, énergie renouvelable, au même titre que l'éolien par exemple, hein, dont on nous dit qu'on a besoin pour justement limiter nos émissions de CO2. Et donc là on a des centaines de personnes qui disent non à un parc photovoltaïque. Alors, les faits, et puis vous allez me dire ce que vous en pensez. Il y a Yasco, merci beaucoup pour le Prime, merci de ton soutien. Alors, plusieurs centaines de personnes ont donc manifesté dans le Lot hier contre un projet de parc photovoltaïque de 19 hectares porté par le groupe Total Énergie, hein, qui est un groupe pétrolier, vous le savez, et qui essaie de diversifier de plus en plus, notamment en investissant dans les énergies renouvelables. Peut-être pour des raisons altruistes, peut-être aussi parce qu'il y aura de l'argent à se faire, évidemment. c'est une entreprise privée. Il doit s'étendre ce parc près de Saint-Cirque-la-Popie, qui est un village classé parmi les plus beaux de France. La mairie soutient le projet, estimant qu'il ne sera pas visible, qu'il ne va pas défigurer le paysage, mais ce n'est pas l'avis des manifestants. En famille ou entre amis, la plupart sont familiers de ces paysages secs où les landes à perte de vue s'effacent parfois derrière des chênaies entaillis. Tous les manifestants craignent qu'un parc photovoltaïque de Total Energy ne les fasse disparaître. Nos forêts, nos pelouses sèches sont de véritables réservoirs de biodiversité, disent les manifestants, qu'il faut absolument protéger. Selon la direction du parc naturel régional des Causes du Quercy, opposée à ce projet qui est situé sur son territoire d'ailleurs, le plateau abrite une flore et une faune rares, dont, alors je ne connais pas, je pense que c'est un oiseau, le dicnème criard et le lézard osselé. Si tout le monde lutte pour la biodiversité, dans les manifestants, personne ne marche contre le photovoltaïque, donc il n'y a pas... Salut à nos amis belges qui nous regardent. Donc dans les manifestants, les gens disent « mais on n'est pas contre le photovoltaïque ». Alors on essaie de comprendre. Florian déclare à La Croix « moi je préférais qu'on les installe sur les toits plutôt, sur les toits ». Voilà. Une autre manifestante dit « je suis d'accord à fond pour la transition énergétique, mais pas avec des grands parcs comme ça, plutôt avec des petits parcs solaires citoyens ». Des alternatives qui ne convainquent pas le maire, de Tour-de-Fort, où sera situé le parc. Lui, le maire, il dit « je ne vois pas mettre des panneaux solaires sur tous les toits de nos jolies maisons quercinoises. Quant aux petites centrales, je ne suis pas contre, mais ça voudrait dire qu'on en installerait une dans chaque village. Je trouve ça plus cohérent de les regrouper dans une zone où presque personne ne va et où on ne les verra pas. » argumente donc le maire, dont le village de 300 habitants devrait percevoir 15 000 € par an grâce à ce parc. Alors, est-ce que le parc sera vraiment invisible pour les 600 000 touristes qui viennent chaque année arpenter les rues médiévales du village? Si le recalibrage à la baisse du projet au fil des années et la promesse de maintenir des bandes boisées périphériques ont convaincu la commune de rallier le projet, les sceptiques demeurent. Les sceptiques qui disent c'est n'importe quoi, le parc sera encore visible depuis certaines parties du village et par les randonneurs. Notre département vit du tourisme, de ces paysages. On n'y vient pas pour voir des panneaux photovoltaïques. Je lis, puis vous me dites votre avis. Les habitants sont divisés. Il y a un éleveur ovin sur la commune qui voit une opportunité. Il dit on parle de terrain complètement embroussaillé, abandonné, où il n'y a rien, il n'y a pas d'agriculture. Là, ça permet de produire de l'énergie propre. Alors, ce qui est intéressant, c'est que face à la mobilisation citoyenne croissante, eh bien, Total Energy semble jouer la carte de l'apaisement. Fin juillet, l'entreprise a proposé d'ouvrir des discussions avec les opposants. Et si elle se refuse à commenter la manif, elle a déjà repoussé le début des travaux qui étaient initialement prévus à l'automne. Voilà pour la réaction de Total. Votre avis à vous? Alors c'est parti. Dromadaire, est-ce que je suis le seul à penser qu'un champ de panneaux, c'est plus joli qu'un champ de betteraves? Dalzim, les réfractaires cassent toujours les pieds. Même si on pouvait mettre une éolienne sur la Lune, on aurait les astronomes sur le dos. Nico Manga, après, franchement, je préfère avoir une belle cicatrice, allusion au paysage, mais que je sais que je vais vivre. Mulsibir, pas visible, pas défigurer le paysage. On nous a dit la même chose pour le parc éolien en mer qui s'installe à un moment près de chez moi. Le résultat, on ne voit que ça. Jamais content les gens pour changer, dit Michel. Ouais, Astaroth, à propos de cette polémique, dit « comme d'habitude, on est pour les énergies renouvelables, mais pas chez nous. Ouais. » C'est vrai que cette histoire rappelle un petit peu le vent de fronde, sans mauvais jeu de mots, qui s'oppose aux éoliennes en France, avec beaucoup d'habitants qui sur place disent « ouais, ok, les éoliennes, c'est cool, mais pas chez nous, quoi. C'est moche. » Lennox a une excellente idée. Ben voilà, c'est bizarre que personne n'y ait pensé. Pourquoi ne pas mettre ces panneaux photovoltaïques sous terre, en souterrain, pour ne pas gâcher le paysage? Voilà, toi, si les gens de Total ou les habitants du coin là, nous regardent, voilà, pourquoi personne n'y a pensé? C'est fou ça. Il y a des gens malins dans ce chat. Moi je dis bravo. Allez, je lis encore en deux messages. Mopinou, hein. Voilà, là. Félicitations, c'est cool, c'est une belle aventure. 22 mois d'abonnement pour Mopinou qui nous dit merci de ta présence en août pendant que je bosse comme une folle, je monte ma boîte. Dans quel secteur, Mopinou? En tout cas, GG à toi. Longue pause, parce que j'adore vous lire, moi. Voilà, Little Majora dit « Je travaille dans l'éolien et je comprends que les personnes à proximité des projets solaires / éoliens soient contre. » On est d'accord, c'est moche, hein. Malheureusement, ces projets sont devenus aujourd'hui une quasi-obligation. Se plaindre, c'est bien, proposer des solutions, c'est mieux, dit encore Pipo Sheka. À un moment, il faut choisir entre la planète et le paysage, j'estime. Lal. Je résume ton pseudo parce que je vais pas pouvoir le prononcer correctement. Pardon, je fais des petits bruits de vente parce que je suis au régime en ce moment. Des projets sportifs de prévus à la rentrée, Samuel dit Roméo. Là, jeudi, je fais un tournage pour Brut autour du sport. Ils vont pas être déçus, hein, vu comment je suis en forme. Et puis, je me suis réinscrit à une petite course là en octobre, là, la première depuis des très longtemps, parce que l'an dernier, j'avais levé le pied sur le sport pour pouvoir travailler plus, ce qui est complètement débile d'ailleurs. Voilà pour cette histoire. Et bon, un petit coup de Libération. Ça, c'est un peu raté, ça. Et ça m'arrive rarement. Parfois, vous savez, c'est le paquet vaut mieux que le cadeau, quoi. Le contenant que le contenu. Ce matin, je vois ce dossier en Libération, je dis on va se régaler, quoi. Dossier de Libé, regardez, comment j'ai raté mes vacances. Momo, tous les matins, 9h midi à peu près. Comment j'ai raté mes vacances. Embouteillage, trompe d'eau, scénario rocambolesque, rupture amoureuse, mauvaise rencontre, etc. Libé donne la parole à des vacanciers qui ont loupé leur été. C'est marrant. Je me dis, on va se régaler. En fait, non, je me dis, tiens, c'est bizarre. Qu'est-ce que vous nous racontez, Libération? En fait, Libération donne la parole à plusieurs personnes, 4 notamment, qui racontent leurs vacances ratées. Voilà, pour genre des mauvaises rencontres en randonnée, des problèmes de météo. Bon, et puis bon, rien, voilà, rien d'exceptionnel. Et puis essayer de nous dire que un édito un peu curieux, éloge des vacances ratées, avec Marie-Ève Lacasse qui dit les vacances ratées sont bien plus riches d'enseignements que des vacances dites réussies, souvenirs forts et bonnes histoires. Elles peuvent apporter dans le meilleur des cas une certaine sagesse. Bon, j'ai envie de dire, avec un grand moment de philosophie là qui arrive. Des vacances réussies, c'est mieux que des vacances ratées. Voilà. Donc bravo Samuel Etienne. Bon, et en fait, ce dossier m'a laissé un peu sur la faim, mais je me suis dit, on va en parler quand même, parce que du coup, vous allez peut-être me raconter des souvenirs de vacances ratées et on va se rire un peu. Alors, comment foirer ses congés en 4 leçons? Il y a juste une histoire que j'ai trouvée rigolote tellement ces vacances étaient pourries pour un couple qui était parti aux Maldives, que je vais vous lire, puis après, je compte sur vous pour me raconter vos vacances. Mauvaise rencontre, chaos général, malaise et mésentente, les raisons de passer un séjour lamentable ne manquent pas. L'histoire d'un couple, donc Frédéric et Cécile, aux Maldives. Je vous lis les vacances pourries. Ouais, c'est la une, ouais. Red Metal, je sais, c'est la une de Libé. Bon, en même temps, on est le 14 août. Hein. 14 août. Mais bon, ouais, j'étais un peu déçu par le dossier. C'est parti. Ils trouvent ça cliché, mais c'était le voyage de leur vie, celui de leur voyage de noces. Frédéric et Cécile se marient en juillet 2013. Ils ont 35 ans, 38 ans. Ils optent pour une semaine de vacances au rêve aux Maldives. Hein, ça fait rêver certains, et plages, tout ça. L'eau transparente, loin de leur commune de Charente-Maritime. On avait mis tout l'argent de la cagnotte du mariage dedans et choisi une île hôtel paradisiaque avec des avis dithyrambiques, raconte Frédéric. Tout est organisé, all inclusive, il n'y avait plus qu'à se laisser porter, on ne voyait jamais comme ça, on surveille toujours nos dépenses, mais là on voulait se faire plaisir. C'est l'amour, c'est le mariage, c'est le voyage de noces, ils ont raison. Hein, on peut... arrivé à Malé, hein, c'est la capitale des Maldives, les jeunes mariés attendent un hydravion qui doit les emmener à leur hôtel. L'attente déjà est plus longue que prévu, entre 4 ou 5 heures. Ah bon, ça va. Avant qu'un petit appareil, effectivement, n'arrive pour déposer la douzaine de passagers sur leurs différentes îles respectives. Ils arrivent de nuit. À l'arrivée, c'est là où ça commence à devenir un peu bizarre. Ils sont accueillis par un type qui porte pas d'uniforme. Il est en short, il est en claquettes. Je pense que Libé a un truc contre les claquettes. On ne commentera pas cet avis, les claquettes c'est très bien. Il n'y a pas de cocktail de bienvenue, il n'y a pas beaucoup de lumière sur l'île, il n'y a pas un chat dans les parties communes censées s'ambiancer le soir avec DJ, animation et cocktail à volonté, rien d'alarmant. Le couple part se coucher dans son bungalow blanc tout confort, flanqué de son charmant toit de chaume, donc c'est un peu calme mais bon. La chambre a l'air cool. Le lendemain, délicieux petit-déj, baignade dans les eaux cristallines, tout va bien. Aucune excursion n'est organisée comme prévu. Ah, peu de premiers pas. Après l'accueil un peu bizarre, le petit-déj se passe bien, puis se rendre compte qu'il n'y a aucune excursion qui est organisée alors que c'était prévu. Merci pour les subs, j'arrive dans un instant. Le lendemain, toujours pas d'animation, pas d'excursion, bizarre. Et on leur répond « Not today ». Le troisième jour... pas d'excursion, et le buffet, le seul truc sympa, le buffet a disparu. Le buffet à volonté a disparu, il n'y a plus de poisson frais grillé, à la place, blanc de poulet congelé, frites surgelées, à sans conserve. Voilà le voyage de noces, quoi. À la fin d'information, le couple toque à la porte du bungalow d'à côté, et là vous avez un diplomate italien qui dit bah, « je suis au courant, en fait il y a tout un tas de problèmes en raison d'un conflit entre les propriétaires de l'hôtel ». Lui-même a décidé de quitter l'île et incite le couple de Français à faire de même. Le couple de Français se demande si l'Italien en fait pas des tonnes. Italien. Pardon. Mais le lendemain, il voit débarquer une vingtaine d'hommes patibulaires, mais presque, qui investissent les parties communes. Ils ont la tête de gens dont le métier n'est pas très légal, dit Frédéric. Ils ont la tête de méchants, comme dans Magnum. Les plus vieux ont la ref. On est dans un film d'aventure, sauf que nous on n'est pas fait pour ça, dit le père de famille. Qui sont ces gens? Le gérant du club de plongée, qui lui aussi a préparé ses bagages pour partir si ça dégénère, à la réponse. Il nous dit que l'île appartient à 3 hommes d'affaires maldiviens. L'un d'eux réside en Angleterre et se fait flouer par les 2 autres qui ont décidé de détourner l'argent de l'hôtel pour investir sur une autre île. Ils ont cessé de payer le personnel et tous les services externes. C'est pour ça qu'il n'y avait pas d'excursion, qu'il n'y avait plus de petit-déj et de buffet. La bande débarquée sur l'île a pour mission de faire signer visiblement de force aux employés une reconnaissance de fin de conflit en échange d'un 10e des salaires. Voilà. Bon, finalement, ils sont rentrés et puis ils sont rentrés sains et saufs, mais ils ont passé des vacances de merde. Voilà. Bon, Libération nous raconte toute une série de vacances ratées comme ça. J'ai pas été convaincu par le dossier. J'ai pas bien compris où Libé voulait nous emmener. Bon, en général, Libération, on se régale un peu plus que ça. C'est pas grave, on va parler de nos vacances ratées, ça va nous faire marrer. Baka French, allez. Merci pour l'abonnement offert à la commune, merci du soutien. Tiens, c'est parti. Alors, on est parti pour les vacances. Mécavaron. Anecdote parfaite, me dis-tu. C'est parti. Vacances de Noël en Auvergne. Très bien, avec mes parents, très bien. J'ai 10 ans, ok. 3 familles d'amis, tout le monde ouvre ses cadeaux le 24. Moi, j'avais demandé qu'un seul gros truc, un avion radiocommandé. Oh, tu demandes des trucs de fou aussi. Hein. J'ouvre un cadeau, il était là. Oh, super. Énorme, mais vide. Le vendeur avait donné la boîte du produit qui était en présentation. Vacances de Noël à 400 bancs du domicile, aucun cadeau pour moi, le désastre, j'ai pleuré pendant des jours, voilà, voilà. Oh, mais tu l'as eu, je suis sur ton avion après. Je m'attendais à une dinguerie. Oh, mais tu l'as eu ton avion après. T'as eu la boîte, t'as d'abord eu la boîte. Alors, vous me racontez vos vacances? Racontez-moi vos vacances. Vos vacances de merde un petit peu. Hein? Ils ont des frites et ils se plaignent, c'est honteux, dit Tigous qui est amateur de frites. Vous n'avez pas des vacances près d'éoliennes ou trucs comme ça, non? Non? Alors, racontez-moi vos vacances. De rien, lapin. Ça nous fait plaisir d'être là aussi. Allez, racontez-moi vos vacances. Alors, attends. Ah, on va trop vite. Ça y est, ça inspire, ça inspire. Pas vraiment une dinguerie, me dit Mundo. Vacances à Marseille, mon pays natal cette année. Oh, à 15 degrés. Jamais vu l'eau aussi froide de toute ma vie. C'est inimaginable là-bas. Et finalement, 3 jours, elle a pris 10 degrés, donc ça s'est arrangé. Ok. Je me suis pris une baie vitrée dans la tête, me dit God Given, c'est pas mal ça. Ah oui, ouais. Ouvre-boîte, c'est vrai que c'est chaud quoi. Vacances à Lisbonne pendant les inondations, cafard dans le Airbnb et mon grand-père qui décède, rapatriement en France. Oh là. Une semaine de plus en Bretagne classique, dit Willy Willy. Oui, mais moi je suis breton, j'ai le droit de le dire. Tu pars en vacances en Bretagne, à un moment, dans l'équation, tu as éventuellement de la pluie, quoi. C'est pas une mauvaise nouvelle, c'est pas une surprise, c'est du domaine du possible, quand même. Dreisender me dit que dans un restaurant où il arrivait en vacances, le menu, c'était la photo des plats surgelés. Ah, j'adore, ça j'adore. Des vacances où tout se passe bien, ce sont des légendes urbaines, me dit Benoît 35. Et il a pas tort, Benoît. Hein, on est tous comme ça, on rentre de ces vacances, on dit tous aux collègues, aux amis que c'était exceptionnel, alors qu'en fait, pas tant que ça. Hein. Et qu'on est très content de rentrer. Hein. Voilà, chez Damos, c'est carré, c'est carré, c'est jamais eu de vacances catastrophiques. J'organise tout à l'avance jusqu'au restaurant pour tous les dîners. Comme ça, tu n'as pas de carte avec des plats surgelés, quoi. Voilà. Ram part en vacances, la grippe, 6 jours au lit. Quelqu'un me dit, je suis allé en Bretagne, fin de l'histoire. Oh, arrêtez avec la Bretagne. Une mouette m'a volé mon burger alors que je le mangeais sur une plage de Saint-Malo. Twisted Heart. Qu'est-ce qui se passe là? Je vous demande de raconter des vacances ratées et tout le monde parle de la Bretagne. C'est quoi ce racisme anti-breton là? Waouh! Macabaron. Ah, vous voulez les trucs croustillants? On a oublié mon petit frère à Madagascar. J'en dis pas plus, c'est assez beau comme ça. Tiens, Maori a eu des vacances vraiment... que je ne souhaite à personne. Maori, on va tous comment dire, compatir. Écoutez l'histoire de Maori. À mon avis, vous n'avez jamais vécu des vacances comme ça. D'abord, le jet privé arrive 5 minutes en retard. Ce qui est scandaleux. On monte, il n'y avait que 2 bouteilles de champagne au lieu de 3. Putain, mais c'est quoi ce service? Arrivé l'hélicoptère pour Courchevel, hein, bien sûr. En retard, et le son dans le casque, dans l'hélico, était de qualité médiocre. Putain, mais c'est quoi ces vacances? En descendant à Courchevel, il faisait froid et ça glissait par terre. Un enfer, je m'en souviendrai toujours. Voilà, ça c'est des vacances de merde. J'adore. J'adore. Oh, c'est bon ça. La marmotte à Sommiac, je savais qu'on allait se régaler. C'est parti. Départ en Espagne. La voiture qui lâche en montée à quelques kilomètres de la frontière, au milieu de nulle part. Une galère pour obtenir une voiture de secours. Du coup, appel d'un taxi dans un petit bar du coin. Roule une partie de la nuit pour nous déposer devant un hôtel Ah. Fermé jusqu'au petit matin, nuit blanche. Ah, ça c'est beau. Arrêtez avec la Bretagne. Je ne lis plus les messages sur la Bretagne. Hein? Maelstromer, pendant mes vacances au Portugal, j'ai joué au casino. Je mise 50, je repars avec 250. Oh! Le lendemain, je casse la vitre de la salle de bain sans faire exprès. Moins 200 €. Oh! Dommage. Oh la vache, Otard, vacances dans le sud, j'avais 7 ans, mordu par le chien de mon oncle le premier jour, 14 points de suture, fin des vacances. Hey Joe! Merci Joe pour le 18e mois d'abonnement. Joe qui vient à la maison tout à l'heure pour de l'install, de la réalisation, de la production, ça va être énorme. Joe, on est en train de... On a un dossier de Libé un peu bizarre, comment j'ai raté mes vacances, donc chacun raconte ses vacances ratées. Voyage scolaire à Madrid, de melon frais. Je suis tombé super malade après avoir mangé le plat de moules des hôtes. Quelle idée aussi. Les moules qui n'étaient pas fraîches, contrairement au melon donc. La professeure en charge m'a ramené dans ma chambre d'hôtel pour me reposer. J'ai vomi dans son lit. Je ne pouvais plus la regarder en face pendant les cours. J'adore. Oh, c'est bon ça. Ella, partie en vacances en Grèce. Super maison, mais le premier jour, explosion du joint d'arrivée d'eau des toilettes. Jamais vu des toilettes aussi pressurisées. On a inondé le rez-de-chaussée, on a dû appeler le gardien pour couper l'eau du quartier. Oh, c'est bon, on va se régaler là. Oh, j'adore. Excusez-moi, il y a compétition là. Oh putain. Remake. Première semaine au Cap Ferret, c'est bien le Cap Ferret. Enfant insupportable. Deuxième semaine, dents nécrosées pour ma femme qui ne dormait pas, donc moi non plus. Troisième semaine, je chope une bronchite et maintenant j'ai chopé une infection des parties intimes à cause des antibiotiques. Il y a Charlène qui nous a fait une Pierre Richard. Vacances en Sardaigne. Dernier vol de la journée, nous avons dû dormir à l'aéroport car l'agence de voiture était fermée. Je me suis fait piquer par un insecte ce soir-là, j'ai fait une réaction allergique. La cheville, le pied gonflé pendant 4 jours. Waouh, et c'est pas fini. Et à la fin du voyage, je me suis fait piquer par une méduse. J'applaudis. El Chipardo, vacances de merde. Avec ma femme, nous allons sur les îles Shetland, traversées en bateau sur la mer du Nord. Beaucoup de vent, mal de mer, évidemment. Je fais la technique ancestrale de s'allonger au sol pour que ça passe. Je connaissais pas ça. Ancestrale, mon cul, je me vomis dessus. Résultat, je passe la nuit aux toilettes en caleçon à sortir tout ce que je peux. J'arrive à 7h30 sur l'île, la terre bouge encore, la journée va être longue. C'est bon ça. Voyageons en... 6 Sim 4, on va se régaler. Voyageons en famille à New York 2010. Première fois que ma famille réservait sur Airbnb, pas très connu à l'époque. On book un super appart, cher, mais on se fait plaisir. 2 jours avant d'arriver, plus de nouvelles, bizarre. On se dit bon, c'est pas grave, on verra sur place. On arrive sur place, après les 8 heures de vol, le taxi nous arrête, pas d'appart. L'adresse était un vendeur de poulet. Oh, oh. Quel bonheur. Allez, un petit dernier. Un petit dernier. Un petit dernier, c'est moutarde bleue. Moutarde bleue. Il y a quelques années, vacances prévues en couple en Auvergne pour une semaine. Magnifique chalet tout en bois, très bien noté. Propriétaire sympathique qui propose même des excursions en montgolfière. Le gars, il a une montgolfière dans son jardin. On s'installe, on pose nos affaires, on va faire notre petite balade aux alentours. On revient dans le logement et paf! Des mulots partout en train de taper notre bouffe et de faire caca partout. On s'est cassé, le propriétaire a jamais voulu nous rembourser. Oh, c'est bon. C'est bon. J'essaie de songer à des vacances ratées, mais je... J'y pense pas. J'en ai pas dans ma tête. Joe, t'as pas des vacances ratées? Un petit dernier pour le plaisir. Un petit dernier pour le plaisir. Merci Seb Gohan pour le deuxième mois d'abonnement. Tartichou, merci beaucoup pour le Prime. Un petit dernier. Allez, dernière de MMGCTF, Forso Modo, je les salue les Modo, Captain McBernick, Julo18, MMGCTF, Original Pimous, Petit Dragon Vert de Rage, VOD Samuel, MMGCTF, donc une fois aux Maldives, j'ai mangé des nuggets de poulet épicés, mais quelle idée, c'est évident que ça va mal se passer. J'ai chopé une gastro hyper agressive au point qu'on a soupçonné que j'avais la dingue, j'ai passé 3 jours en convalescence. J'ai envie de dire, dingue, bien sûr. Les amis, c'est pas terminé. Allez, les premières actualités qu'on a évoquées tout à l'heure étaient quand même super dramatiques. Sachez qu'on va aller sur du plus léger, là, du sport notamment. Quelqu'un me disait, est-ce que tu fais du sport? Bien sûr qu'on parle de sport ici. Alors, des nouvelles du feuilleton Mbappé, c'est le feuilleton de l'été, c'est une dinguerie ce qui se passe entre eux. Kylian Mbappé et la direction du PSG, ça semble s'apaiser, c'est pas inintéressant. On parlera aussi de Neymar qui part a priori en Arabie Saoudite, des Françaises hélas éliminées au mondial, du match de MMA, du combat prévu entre Elon Musk contre Mark Zuckerberg. C'est quoi cette dinguerie? C'est quoi cette dinguerie? Très bizarre, moi j'y crois pas du tout, c'est des conneries. Les livres qui ont la cote sur TikTok et le succès du jeu vidéo Baldur's Gate, pas Édouard Balladur, ça n'a rien à voir. Je vous recale sur le sport, on se retrouve juste après un petit café parce que j'ai besoin d'un petit coup de caféine. Je vous mets un écran de pause, je vous mets 3 minutes de musique et un petit peu de pub pour ceux qui ne sont pas abonnés. On se retrouve juste après pour tout ça. Voilà. Je vous ai mis toutes les mauvaises nouvelles au début du stream, on va sur des trucs beaucoup plus légers. Le truc de Musk et Zuckerberg là, bien bizarre ça, bien bizarre, bien bizarre. Allez, qu'est-ce que je vous mets comme musique? C'était pas mal la musique de tout à l'heure. Je vous remets celle de tout à l'heure, celle du début du stream pour qui l'ont raté. À tout à l'heure, bande de belles personnes, et merci d'être avec nous ce matin, je m'en régale. À tout de suite. Et bonnes vacances à ceux qui sont en vacances. Voilà, c'est ça. Allez, vas-y la musique. Voilà. À tout de suite. Trying to get I'll keep shining. tongue, there's a sarcasm waiting for you. I'm willing to trade my soul for a bit of your charm. There's no way I fade into oblivion, 'cause I'll keep shining over you all, and if your waves entwining, you better face the fall, keep trying again. Oh yeah, keep trying again. There's mud on the floor, desperate people trying to get through the door, although the room's already crowded, but I'll keep shining over you all, and if your wings entwining, you better face the fall, keep trying again. Oh yeah, keep trying again. Zeros, everybody's trying to be heroes when all they have to say to be okay is I don't know. And keep trying again. I'll keep shining over you all, with your wings entwining, you better face the fall. Zero, everybody's trying to be heroes when all they have to say to be okay is I don't know. Are you okay? I'm not that sure. You're like a drug that I just can't deny, giving me the best high. My body's shaking, shaking every time you get into my mind. Like a fire, burning wild in my heart. Take me far away in the dark. Only you can show me how to come alive. I feel shivers down my spine. I've been waiting for a long time. So I need to make you mine. Think I want you in my bloodline. I feel shivers down my spine. I've been waiting for a long time. So I need to make Désolé. you mine. Think I want. Ah, j'ai eu une fringale. Affreux. Comme en cyclisme, en Tour de France. Salut Adé Matsuya. Désolé. J'étais parti pour un café, puis en fait, je me suis trouvé assez caféiné. Par contre, j'ai eu un petit creux. J'ai fait péter Chris Prolls. Je sors deux Chris Prolls. Je sors du jambon de dinde là, que j'avais au frigo, là, il est ouvert la semaine dernière, et je fais péter le petit sandwich Chris Prol jambon de dinde, sans beurre. Donc, toi. Et puis je mange ça, donc déjà je suis pas en avance, et puis après, et puis je me rends compte que j'ai refaim, la fringale. La fringale, comme en vélo, voilà. Et j'en reprends deux Chris Prol, j'ai une vie de fou, j'ai une vie de fou, j'ai une vie de fou. Et je remets du jambon de dinde. Voilà. Et un verre d'eau, il n'y a rien qui va, il n'y a rien qui va dans mon histoire. Je bois de l'eau maintenant. Je bois de l'eau, je bois de l'eau. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Dragon Wild vient de nous raconter une histoire triste. Donc voilà, donc je vous ai un petit peu laissé tout seul. Je crois même qu'à la fin, il n'y avait plus de musique, non? Ouais. Ouais, ouais, non, je sais, désolé. Donc là, ça va mieux. Il faut attendre que tout ça... soit digéré, ça me redonnait de l'énergie pour vous lire les derniers articles. Guillaume MM, un grand merci pour ce 12e mois d'abonnement quand même, ça fait un an, merci à toi. Ouais, j'ai une vie de fou. Chris Prolls, jambon de dinde et la flotte, je suis au top. Bon, lui aussi il est au top. Quel génie celui-là. Comment il fait tout ça? C'est fou. Alors ça, lui, c'est Kylian Mbappé, pour ceux qui ne suivent pas du tout le foot. C'est un des meilleurs attaquants du monde, c'est l'attaquant star du PSG. Et c'est tendu depuis quelques jours, là, entre la direction de son club et lui. Pourquoi? Je vous résume les épisodes précédents. Le PSG, la direction, très 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 en colère, du fait que Mbappé dise « Bon, mon contrat, il va jusqu'à la fin de la saison prochaine, là. Donc je vous fais l'année au PSG. » Par contre, c'est fini après, hein, je re-signe pas pour un nouveau contrat, j'irai voir ailleurs, quoi. PSG pas content du tout, parce que du coup, ça veut dire qu'ils vont être obligés de le laisser partir dans un an, mais gratuitement, au Real Madrid, par exemple, sans que le PSG touche de sous-sous. On parle de millions d'euros, quoi. Et donc, bras de fer entre les deux parties, le PSG essayant de convaincre Mbappé de re-signer au moins pour un an. Au moins pour un an. Et Mbappé qui dit mais non, moi j'ai pas envie, j'ai envie d'aller jouer au Real Madrid. Et le bras de fer a fait que le PSG l'a mis sur le banc. Voilà. Obligé de s'entraîner plus avec l'équipe première, mais avec les joueurs du loft, comme on les appelle, ceux qui sont un peu mis de côté, et menace de passer toute la saison sur le banc, hein, des remplaçants à ne pas jouer. C'est incroyable, quoi. Sauf que ça a un peu bougé là, et manifestement les deux parties se sont reparlé. Oui, il était même pas sur le banc pour le premier match de la saison contre c'était Lorient, c'est ça? Il était même dans les tribunes. Ils se sont parlé et on est peut-être vers la fin du bras de fer. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a un lien entre le fait que ça soit un peu arrangé et que le premier match des Parisiens se soit soldé par un match nul, 0-0 contre Lorient, 0 but. Je dis ça, je dis rien. Captain Mbernick, merci pour le 20e mois d'abonnement, merci à toi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Mystère, mystère. Les coulisses nous racontent Le Parisien, page 12, d'une réintégration surprise. Un invité de marque s'est présenté à l'entraînement matinal du PSG hier à Poissy dans les Yvelines. Un invité qu'on n'attendait plus après des semaines d'une guerre d'ego opposant deux parties qui ne s'entendaient plus, qui ne se comprenaient plus. Le dialogue de sourds entre les dirigeants parisiens et Kylian Mbappé a finalement débouché sur un début d'entente et un rapprochement des positions qu'on pensait jusqu'ici impossible et illusoire. Mbappé, l'indésirable envoyé dans un loft, l'homme chassé par sa direction et mis à l'écart du groupe depuis mi-juillet, hein, quand même, a effectué donc son retour avec l'équipe première. C'était hier et c'était au lendemain effectivement d'un match nul face à Lorient, 0-0. 23 jours après avoir quitté l'équipe première quand même, hein, sur ordre du Qatar et du président Nasser Al-Khelaifi, fâché par son refus, c'est ce que je vous racontais en résumé à l'instant, son refus d'activer une année de contrat en option. L'attaquant a donc retrouvé sa place dans l'effectif parisien avec un large sourire aux lèvres, parce qu'il n'a pas cessé de sourire tout au long de cet épisode. Après des discussions très constructives et positives entre le PSG et Kylian Mbappé avant le match PSG-Lorient, c'est le communiqué de la direction, le joueur a donc été réintégré pour l'entraînement de l'équipe première. Ça, c'est le communiqué du club qui dit que les discussions positives étaient avant le match nul. Peut-être, on ne sait pas. Comme nous l'écrivions le jeudi 10 août, Mbappé entend accomplir la dernière année de son contrat, au PSG et l'avait redit à, au patron. En début de semaine, Nasser El Khelaifi, lui, a confirmé la nouvelle du retour de Mbappé dans le groupe. L'apaisement, donc, le comeback du numéro 7 ouvre des perspectives. Alors attention, c'est là où je vous invite à prendre ces informations et ces analyses avec prudence. Que Mbappé soit de retour dans l'équipe première, à l'entraînement et sans doute sur la pelouse, ça c'est un fait, c'est acté, c'est confirmé. La suite, c'est du foot fiction, hein. Le comeback du numéro 7, écrit Le Parisien dans l'effectif, ouvre des perspectives qu'on pensait inimaginables il y a encore 48 heures. Le président avait redit mardi à Mbappé qu'à l'instant où il prolongerait son contrat, il serait de retour dans l'effectif. Si aucun accord écrit n'existe concernant une éventuelle prolongation de contrat, la star n'est aujourd'hui plus fermée à cette possibilité. Est-ce que Mbappé aurait finalement dit oui, ou pourrait dire oui à une reconduction de son contrat, ce qu'il ne souhaitait pas jusque-là, et ce que souhaitait le PSG? Bon, là je trouve que le Parisien s'avance, mais peut-être. Longtemps fermé à l'idée d'étendre son bail au-delà de 2024, Mbappé aurait révisé sa position. Il voit en effet d'un bon oeil la tournure prise par le projet sportif parisien. Après s'être senti trahi l'été dernier face aux promesses non tenues par ses dirigeants, il apprécie les derniers choix réalisés par la direction, qui a recruté un vrai numéro 9, Gonzalo Ramos. Elle a fait venir son ami Dembélé, alors que d'autres renforts sont attendus. Et puis dans le sens des départs, et a priori ça ferait plaisir à Mbappé, Paris devrait se projeter de Neymar, on va en parler, proche de conclure avec le club d'Al Hilal en Arabie Saoudite. Départ aussi de Marco Verratti. Est-ce que vous pensez que Mbappé, contre toute attente, pourrait re-signer au PSG? Ouais, t'as raison. Eslobe qui nous dit que Ntamak est forfait pour la Coupe du Monde de rugby. Ouais, j'ai vu ça tout à l'heure. Vous en pensez quoi? Moi, j'y croyais, vous? MMG dit non. Ouais, je sais, Ntamak, ouais, forfait. Pour les fans de foot, il est insupportable, ce feuilleton, me dit Do Brasil. Red Misto estime que c'est la vente de Neymar qui le motive à envisager une prolongation. Pourquoi il aimait pas Neymar, Mbappé? Je suis perdu là. S'il prolonge, ce sera de 1 an apparemment, donc on aura le même feuilleton l'année prochaine, dit Jacobis. S'il signe vraiment, on souffle. Faire le même coup tous les ans, c'est bon qu'il parte au Real, dit Dinx, qui est peut-être un supporter du PSG. Il y a Red Misto qui dit qu'il va prolonger avec une clause pour partir en 2024. Non. Son contrat actuel, il court jusqu'en 2024 déjà. Il n'y a pas besoin de nouvelles clauses. Son contrat actuel que Mbappé veut faire, c'est il joue de la saison là. Ça, c'est le contrat. Et la clause qu'il ne voulait pas faire jouer, c'était pour se réengager d'1 an, pour aller jusqu'en 2025. Il n'y a pas de clause à activer pour partir en 2024. C'est déjà son contrat actuel. Tu voulais dire 2025? L'argent fait tourner les têtes et les vestes, les chats, ça c'est sûr. Voilà. Émile Maletra, Mbappé c'est un peu comme ces séries qui font une saison de trop, on est passé de la hype à l'ennui. C'est vrai que ça n'en finit plus cette histoire. Bon, à suivre. Ou pas. Neymar s'en va a priori. A priori, on reste prudent, mais c'est... parce que c'est pas officiel, mais bon, ça semble assez sérieux. Les discussions entre le club saoudien d'Al Hilal, récemment on a lu un gros papier, je sais pas si c'est pas dans Le Monde, sur pourquoi des clubs saoudiens mettaient autant d'argent actuellement. Il y a une histoire de sport washing, d'amélioration de l'image du royaume, du pays et de son régime politique. Pourquoi l'Arabie Saoudite mettait autant d'argent pour embaucher en ce moment des footballeurs stars venus notamment de clubs européens. En tout cas, il y aura un nouveau départ, donc c'est Neymar qui partirait en Arabie Saoudite. Les discussions avec le club d'Al Hilal sont bien avancées. Ah, c'est officiel depuis 1 heure? C'est fait? C'est fait. Neymar, c'est officiel? Alors c'est officiel selon quoi? Selon Facebook ou c'est officiel selon un communiqué du club? Parce que, hein, toujours pareil. Neymar. Ah, l'équipe, là, c'est bien ça. Accord. Alors, la source de l'info. Hein. Ce lundi, devrait, conditionnel, marquer un tournant dans l'histoire récente du PSG. Le club de la capitale et Alia doivent conclure dans les prochaines heures, c'est pas signé, hein, les derniers détails de leur accord ficelé pour le transfert de Neymar. Ok. D'accord. Voilà, hein, comme le dit John Doe, c'est pas officiel. L'équipe annonce juste un accord. C'est pas officiel, c'est bien parti d'eau. On est bien d'accord. Ah mais ça veut rien dire ça. FZ Ball, tous les médias sportifs le confirment. Ah ouais, tous les médias sportifs peuvent se tromper. Et non. En fait ici, on est over prudent. C'est-à-dire que tous les médias peuvent donner une info. Si la source de ces médias n'est pas officielle, le truc n'est pas fait. Et attention parce que souvent, de plus en plus d'ailleurs, les acteurs sportifs, économiques, politiques savent jouer de ça. Et ces acteurs font fuiter des informations parfois pour faire pression sur des discussions en cours. Donc il faut toujours être prudent. Voilà. Donc c'est ça, toujours attendre l'annonce officielle. Voilà. Des annonces, des infos 100% sûres, notamment dans le domaine sportif. Quelques heures plus tard, on se rend compte qu'elles sont caduques. Voilà. Donc, restons au conditionnel avec cet article du Parisien, si vous le voulez bien, en attendant l'annonce officielle, même si ça semble bien parti. 6 ans après son arrivée aux grandes pompes au PSG, ça fait déjà 6 ans, Neymar n'a jamais été aussi proche d'un départ cet été. Selon les informations de RMC Sport que nous sommes en mesure de confirmer, le club d'Al Hilal est proche d'engager le numéro 10 parisien. Un accord a été trouvé entre les deux parties pour un contrat de 2 ans et un salaire annuel qui avoisine les 100 millions d'euros pour Neymar. Quoi qu'il en soit, l'affaire est bien enclenchée. Toutes les parties semblent s'être entendues pour que l'aventure prenne fin. Neymar souhaite poursuivre sa carrière loin de Paris, tandis que le PSG est ouvert depuis déjà plusieurs saisons à un départ de son joueur. Juste un truc, parce que moi je ne maîtrise pas tout à 100% sur le foot là. Pourquoi? Vous qui vous y connaissez sûrement plus que moi. Pourquoi Mbappé serait content d'un départ de Neymar? Alors ça peut paraître évident à certains, moi je n'ai pas l'info là. Alors, il y a Sleepball, dont je félicite le pseudo, qui dit « Il y a une règle importante au foot, tant que c'est pas officiel, rien n'est fait. » Je suis complètement d'accord avec toi. Alors pourquoi? Vous avez la réponse? Pour être la star incontestée du club, dit Arcos. Parce que les projecteurs seront ainsi plus braqués sur lui, dit Clyde Creator. Meilleure mise en avant, Mbappé veut leadership, vous êtes d'accord. L'ego, il veut être au centre du projet. Mopinou pense que c'est une dispute à propos d'une fille. Pas la même vision du jeu, il veut être la seule star, il veut des joueurs sérieux, dit Sileg. Neymar n'est pas fiable, trop souvent blessé, me dit Red Misto. Parce qu'il coûte beaucoup d'argent pour pas grand chose, me dit Xiris. Parce qu'il a une mauvaise influence dans le vestiaire, Neymar me dit Yord. Blacky Nounours propose une analyse à multiples facteurs. Les projecteurs sur lui, plus de sous pour lui, concurrents sur le même poste, aile gauche, mésentente. Intéressant. Ok, bah j'ai les réponses. J'ai les réponses. Vous êtes des champions. Merci beaucoup. Bon, bah à suivre alors. Ouais, bon, on va pas passer 2 heures là-dessus. Par contre, on va regretter ensemble. Vous étiez devant les tirs au but, là, samedi matin, devant les. Hein, on va revenir sur l'élimination. Dommage de l'équipe de France féminine de football au mondial qui se déroule en Australie. Et en Nouvelle-Zélande, bah justement, c'est les Australiennes. Hein, c'est le pays hôte qui nous a éliminés. Quelle horreur, quelle horreur. Quel stress. C'était sur France 2 samedi soir, le coup d'envoi c'était à 9 h. Et puis à l'issue du temps réglementaire et des prolongations, on est allé effectivement au tir au but. Voilà. Et on y a cru jusqu'au bout. Hein. Et même si d'entrée, je crois que le premier tir français est repoussé par la gardienne hein, australienne. Donc d'entrée, ça part mal. Et hélas, elles sont éliminées. Et l'Humanité nous dit ce matin qu'il reste 1 an maintenant au bleu pour briser le plafond de verre. Alors c'est quoi le plafond de verre? Bah, c'est le fait qu'elles n'ont jamais dépassé les demi hein, au mondial. Voilà, donc... Et puis l'autre truc, c'est les 1 an, et les 1 an, c'est les Jeux Olympiques de Paris. Donc l'équipe de France féminine s'arrête une fois encore en quart de finale de la Coupe du Monde à 1 an des Jeux. Le nouveau sélectionneur n'a pas su insuffler le petit supplément d'âme qui mène au succès. Malgré un début de rencontre à leur avantage et une fin de prolongation où elles auraient dû trouver les moyens d'ouvrir le score face aux Matilda australiennes, les Bleus d'Hervé Renard, donc c'est le sélectionneur, c'était samedi, hein, pardon, j'ai dit quoi, j'ai dit dimanche, c'était samedi, n'atteindront pas les demi-finales de la Coupe du Monde qui se déroulent en Australie. Évidemment, moi j'avais annoncé sur Twitter qu'elles allaient devenir championnes du monde. Je suis vraiment nul. Quelle idée aussi de faire des pronostics comme ça complètement foireux. Encore une fois, les Françaises s'arrêtent aux portes d'une consécration possible. Oui, enfin, possible, oui. C'est du domaine du possible. À 1 an des Jeux Olympiques, la révolution entamée en avril laisse un goût d'inachevé pour le sélectionneur, M. Renard, qui avait pourtant répété que son ambition était de battre la meilleure performance de l'équipe de France dans la Coupe du Monde. C'était une 4e place en 2011. Hein. C'était en demi. Méthode Coué, sans lui jeter la pierre car l'équipe a démontré de belles choses sur certaines rencontres et notamment face au Brésil, il ne fait pas mieux finalement que l'ancienne sélectionneuse Corinne Diacre, c'est vrai. Le bilan est donc mitigé pour Hervé Renard. Il y a quelqu'un qui écrit Matako, petite pensée à Corinne Diacre qui a dû savourer quand même. Moi je pense que Corinne Diacre, oui. Peut-être qu'au fond d'elle, elle a été triste pour les Bleus, mais peut-être qu'elle était contente aussi que son successeur ne fasse pas mieux qu'elle. Donc, bilan mitigé pour Hervé Renard. Certes, il a redonné le sourire à une équipe en pleine crise depuis plusieurs saisons. Certes, il a offert au public une image plus sympathique des Bleus, mais cette bonne humeur n'a pas suffi à les transcender, alors qu'on les sentait techniquement au-dessus pourtant des Australiennes, combatives mais plus limitées. Alors, il a des excuses. À sa décharge, le sélectionneur a dû malgré lui composer avec de nombreuses absences pour le mondial, des blessures à des postes clés qui lui ont fait défaut. En attaque notamment, où il manquait 2 joueuses de classe mondiale, Delphine Cascarino et Marie-Antoinette Catoto. Le vide s'est fait ressentir. À son actif, on retiendra tout de même le retour réussi d'Eugénie Le Sommer, écartée sous Diacre et qui demeure une sérielle buteuse. On notera aussi la confirmation de l'infatigable arrière-latérale Elisa de Almeida, qui a crevé l'écran samedi et durant toute la compétition, sauvant même les Bleus sur certaines phases de jeu compliquées. À 1 an des Jeux Olympiques de Paris, autre objectif, point d'orgue pour l'équipe de France féminine, Hervé Renard ne semble pas menacé à son poste. Il devra trouver le bon équilibre. L'année prochaine, on sera à la maison. Il nous reste une chance pour gagner quelque chose pour le mondial. C'est raté pour cette fois. Il reste les Jeux Olympiques. Voilà. J'ai suivi le match de samedi, là, en bon footix que je suis. C'est triste, c'est triste. C'était pourtant la bonne année vu les éliminations de favoris dits à Tebaoba, hein, puisque les États-Unis, les Américaines étaient éliminées, les Allemandes étaient éliminées. Ouais. Ouais. Il y a beaucoup de blessés, me dit défecateurs officiels que je salue qui est avec nous. Après Corinne Diacre, c'était catastrophique. L'ambiance était délétère, John Terry. C'est vrai que l'ambiance n'était pas au top avec Corinne Diacre qui avait... écarté notamment des cadres hein, en les jugeant plus dans le coup, comme Wendy Renard notamment. Ouais. Dommage. Allez, sport. Enfin sport, si, sport. Vous y croyez, vous? Moi, j'y crois pas. On nous annonce pour le 26 août en Italie, c'est marqué ici dans Libération, double page. Un combat de MMA dans l'octogone, donc, entre 2 milliardaires, Elon Musk, X, Twitter, les fusées, Tesla, contre Mark Zuckerberg, le patron de Meta, ex Facebook. Kiff, kiff, non pas bang, bang, mais bang, bang, Libé. Les deux magnats des réseaux sociaux ont annoncé en tout cas vouloir s'affronter lors d'un combat de MMA. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Caprice d'ego autant que stratégie marketing typique d'internet, ce clash marque l'apogée d'une rivalité violente. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais ça n'a aucun sens. Mais ça n'a aucun sens. Alors certains sont déjà en mode pronostic. Hein. Mutchamp, Marc va gagner, l'annonce. Elon va se faire détruire. Mais c'est... Oui, Lilou Rennes dit c'est ridicule. Mais c'est ridicule. Mais on est d'accord que c'est ridicule. Zéro hype, dit Tigous, mais bien sûr. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il me semble que Zuckerberg est chaud. Mais oui, Amigaldam, ils sont chauds. C'est n'importe quoi. Alors lisons, c'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? Plusieurs jours que je vois cette info, cette actu là sur les réseaux. Et je me dis, bon alors, quel journal de qualité va nous en faire un article pour nous dire un petit peu ce qui va se passer? Bon bah c'est Libération qui s'y colle, en mettant un peu de sens et en nous disant que derrière ça, c'est surtout une histoire de marketing. 2 pages, c'est parti, on lit. Pour ceux qui n'êtes pas au courant, vous allez tout savoir sur ce match qui, à mon avis, n'aura pas lieu. Enfin bon, c'est le même Samuel Etienne qui vous a annoncé que les Françaises allaient gagner la Coupe du Monde. Donc bon, ça se trouve, il va y avoir match. C'est parti. Elon Musk a 13 ans de plus que Mark Zuckerberg. Il est plus grand d'une dizaine de centimètres, plus lourd de 20 kilos et plus riche d'environ 100 milliards de dollars. Tous ces chiffres, une fois au cage, auront leur importance, car depuis le mois de juin, les 2 milliardaires, l'un propriétaire de X, ex-Twitter, l'autre de Meta, Instagram, Facebook, tout ça, font monter la pression sur la tenue hypothétique d'un combat, un vrai combat, les opposants. Si le sport choisi, le MMA, annonce une bastonnade en règle, le spectacle s'inspire davantage du catch où la rivalité est d'abord mise en scène. Ne nous fourvoyons pas, les 2 chefs d'entreprise se détestent vraiment. Ça, c'est vrai. Surtout ces derniers mois, au cours desquels Zuckerberg a lancé son Twitter Killer, le réseau social Threads, reprenant la plupart des fonctionnalités de la plateforme rachetée par Elon Musk pour profiter des difficultés du réseau X, ancien Twitter. C'est d'ailleurs dans ce contexte délétère, décidément délétère, qu'a émergé l'idée d'un affrontement tout en points et un coup qui pourrait se dérouler. On a même la date, 26 août, on a même le lieu en Italie. Qu'est-ce que c'est que cette dinguerie? Taclant son adversaire en l'accusant de vouloir mettre le monde entier à sa botte, Elon Musk a donc répondu sur Twitter le 21 juin à un internaute avisé. Donc il y a un petit malin sur Twitter X qui a fait la propale, lui conseillant de faire attention parce que Mark Zuckerberg fait du jujitsu. Et il répond, le Elon Musk, on se demande quand il a le temps pour bosser parce qu'il passe sa vie à tweeter quand même, « Je suis prêt pour un match dans une cage si ça le branle, lol. » Si ça le branche. Pardon. La faute du joueur français. Pardon. Si ça le branche, lol. Excusez-moi. S'y attendait-il? Oui, bah oui, ça arrive. Ça arrive. Ça arrive. Ça vous arrive jamais? Le lapsus? Oui, oui, ça arrive. Bon. Désolé. S'y attendait-il? Le père de Facebook le prend en mot et répond dans les heures suivantes sur Instagram « Envoie-moi l'adresse !» Et il se chauffe, Suffisant pour enflammer Internet, bien sûr, qui n'a pas besoin de soi. Au bout de 7 années de joute verbale, aurait-il décidé d'en venir vraiment aux mains? L'explication est un poil simpliste, car la parole maintenant à un professeur de marketing en France, avec Clément Dubreuil, l'embrouille atout d'une stratégie commerciale bien connue, celle du clash. Mais oui, mais tout ça, c'est marketing et compagnie, mais je vous le dis, moi. Branle-bas de combat, excellent, Evelyne. Le cas d'école qu'on évoque souvent en marketing, c'est en matière de clash, l'histoire de Pepsi et de Coca-Cola. Ça aurait commencé un petit peu avec Pepsi et Coca-Cola, rivalité incarnée dans les années 80 dans une campagne publicitaire de Pepsi, je me rappelle de ça, moi, qui fait goûter à l'aveugle les 2 boissons. Évidemment, la meilleure, c'était Pepsi, selon la pub. La technique de la rivalité en marketing ne date pas d'hier, dit ce prof, mais elle a pris beaucoup d'importance avec les réseaux sociaux, on se demande bien pourquoi. Depuis, on observe une escalade dans le trash. BMW contre Audi, McDonald's contre Burger King, Samsung contre Apple, Samuel Etienne contre... Mais non, je n'ai que des amis. Kiki de Jungle, par exemple. Merci pour le gentil message et pour le 7e mois d'abonnement. La technique est déployée... Tiens, Samuel Etienne contre qui? Quel est mon... Avec qui je m'oppose, moi? Personne. Hein? Qui? Contre Tex? Pourquoi? Non, non, pourquoi? Contre... Mais non, Étoile, non. Éric Zemmour, hein? Julien Lepers, mais non, Pujala, Sanouna, oui, mais non, voilà, Pascal, mais non, j'ai que des amis. Donc, entre entreprises, le marketing du clash fonctionne très bien, Samsung contre Apple aussi. La technique est déployée par bien d'autres enseignes, y compris dans le rap, à l'image de la bataille, on s'en souvient, Booba versus Caris, achevée en rixe mémorable. Les mecs qui s'envoyaient des flacons de parfum à la gueule, n'importe quoi, à l'aéroport d'Orly ou encore sur les réseaux sociaux. Mais pourquoi le clash est-il ainsi privilégié? Par nature, la rivalité, c'est quelque chose qui attire l'attention, souligne le prof, hein. Attention qui, économiquement, peut être vertueuse pour les deux clans, décidément. Le clash agrandit les communautés des marques en suscitant l'intérêt et les solidifie en poussant les spectateurs à prendre parti. Hein, il faudrait que je clash, moi aussi, il faut que je me trouve un ennemi. Les amateurs de Pepsi vantent les mérites de leur soda, là où les partisans de Caris tiennent Booba pour responsable de l'embrouille. Or, cette horde de consommateurs fidèles, Elon Musk comme Mark Zuckerberg en ont bien besoin. Après avoir fait revenir pléthore de comptes complotistes sur Twitter, Musk a vu les revenus publicitaires de son réseau acquis pour quelques 44 milliards de dollars fondre de 50%. Donc ça va pas très fort. Mark Zuckerberg a lui un temps frôlé la gloire en attirant plus de 100 millions d'utilisateurs en quelques jours sur Threads. Chute douloureuse, au bout d'un mois, il en a perdu près de la moitié. Ça va pas très très fort non plus. Alors, en bon showman, les hommes d'affaires mettent en scène leur rivalité et attirent les internautes sur leur plateforme en se taclant depuis leurs réseaux respectifs. Ah d'accord, ok. Depuis son bastion Twitter, le patron de Tesla adresse ainsi un énième pied de nez le 6 août. Je soulève des poids tout au long de la journée. Mais sérieux ? Mais sérieux ? Réponse du tac au tac de son camarade sur Threads, assurant être prêt aujourd'hui, il avance la date du 26 août pour la tenue du duel. De quoi exciter Musk, qui ne lésine pas sur la surenchère. Dans un tweet, il annonce la diffusion en direct de la lutte sur son réseau et assure que les fonds collectés iront à des œuvres caritatives dédiées aux anciens combattants. Pris dans le jeu, Zuckerberg contre-attaque alors en suggérant d'utiliser une plateforme plus fiable qui peut réellement collecter des fonds pour les œuvres caritatives, Facebook et Instagram ayant justement une fonctionnalité dédiée depuis peu. Ce truc n'a aucun sens. Alors, imaginons que ce truc... Bravo Eflin pour la peinture de la salle de bain. Imaginons que ce truc ait lieu. Que les deux aillent dans la cage. Qui va gagner? Mark Zuckerberg est un mordu de Jiu-Jitsu. Depuis plusieurs années, dit-on, le chef d'entreprise a même participé à des compétitions ces derniers mois et y a remporté quelques médailles. Tant et si bien que sur Internet, quelques paris annoncent déjà le patron de Meta vainqueur. En dehors de la cage, d'ailleurs, Zuckerberg pourrait sortir grandi de cette guéguerre, estime une linguiste spécialiste de l'identité des marques. Entre la réputation ringarde de Facebook et les 13 milliards de dollars perdus à cause de sa lubie passagère du métavers, vous vous souvenez, le milliardaire se coulifie en ce moment en entrant dans le jeu de son concurrent. Bon, donc accepter de se mettre sur la gueule avec un autre milliardaire dans l'octogone, ça coulifie. Ça qualifie quoi? Il joue la carte du contraste, lui suit la voie des arts martiaux et active l'image positive qui va avec, à savoir celle d'un homme posé, professionnel, sage, à côté d'un Musk aux airs de petit chien fou et d'enfant gâté. Bon. Très bizarre, très bizarre, très bizarre. Je crois savoir que Musk aurait déjà dit que ça dépendait un petit peu d'un, je sais pas quoi, qui devait passer un examen médical, non ? C'est pas ça, il est pas en train de... Il est pas en train de dire que ça n'arrivera pas. Il n'y a pas une histoire comme ça. Non, il n'y a pas une histoire comme ça. De belle info. J'ai lu ça quelque part. Je regarde si c'est pas ça, c'est pas ici non. Je sais plus où je l'ai lu ça. Il y a une histoire d'opération de l'épaule. Un centimètre des pieds, elle dit que oui, il le ferait, mais si d'abord il fallait qu'il soit opéré de l'épaule. Voilà, c'est ça, de Furet. Il a parlé d'opération nécessaire avant de... Attends, j'ai perdu ton info. C'est ça, d'opération nécessaire. Attends, où est ton message? J'espère qu'on ne l'a pas supprimé, il était très bien ton message. Oui, il est. Non, je t'ai perdu, Voilà, des Furets. Il a parlé d'opérations nécessaires avant de pouvoir faire le combat. Exactement. Ouais, ouais. Bon, en même temps, du coup, si Musk se débine, pas bon, hein, en termes d'image. Hein, pas bon en termes d'image. Ouais. Ouais. Comme le dit Galactic Hermit, il pourra pas venir à cause de son chien qui a mangé son dentiste en passant dans un tunnel. Voilà, c'est ça. Moi, je crois pas. Moi, voilà. De la même manière que j'ai annoncé la victoire des Français en Coupe du Monde de football en Australie, je vous annonce que ce match n'aura pas lieu. Voilà. On est d'accord? Tiens, on va faire un sondage. Tiens, vous allez me dire. Pensez-vous que ce match va avoir lieu, tout simplement? Hop! Je veux en avoir le cœur net. Pensez-vous que ce match aura lieu? Oui. Non. Peut-être que je me trompe, hein. Je ne sais pas. 2 minutes, c'est parti. Vous avez 2 minutes pour voter. Voilà le temps. Voilà. Peut-être que je me trompe, hein. Peut-être que je me trompe, hein. Qu'un sens ce truc. Ah, Empirès aimerait bien que ça ait lieu quand même. Alors j'ai vu que ce serait donc le 26 août. Bon, je pourrais pas regarder parce que j'ai un truc en famille. Voilà, on s'en fout. Mais... Alors, vous êtes plusieurs à me dire comme Yann, comme Darth, mais aussi une option, on s'en balèque. Non, je m'en doutais, mais je sais que c'est sans doute la réponse, on n'en a rien à foutre, qui aurait gagné, et je n'ai pas voulu casser la hype du sondage. Voilà. Donc, de façon totalement antidémocratique, je n'ai pas proposé le vote qui aurait sans doute rencontré le plus de succès. Voilà, parce que je suis en mode dictateur. Voilà. Tout simplement. Eh oui. Ouais, je sais, Ntamak forfait, c'est ça la vraie info sportive, le petit canton. Mauvaise nouvelle pour les Bleus avant le mondial de rugby. Tout à fait. On va aller voir ça dans un instant d'ailleurs. Allez, c'est parti. Le sondage donne ça. Vous êtes, comme moi, très dubitatif, circonspect. Quand, à la perspective de ce match, vous êtes 66% à penser que ce match n'aura pas lieu, vous êtes 24% à penser le contraire, vous êtes 11% à ne pas avoir d'avis. Ok, rendez-vous le 26 août. Bon. Alors, à l'instant, plusieurs d'entre vous, merci d'ailleurs, me donnaient cette info. Donc, Ntamak, Romain, forfait, ça c'est vraiment un coup dur pour l'équipe de France de rugby juste avant le mondial. Ça vient de tomber. Info, l'équipe notamment, il y a 56 minutes, l'ouvreur tricolore Romain Ntamak qui s'est rompu, aïe, 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 les ligaments croisés du genou gauche, manquera finalement la Coupe du Monde. Ça, c'est pas bon, ça. Voilà, alors il a été touché au genou face à l'Écosse samedi, hein, c'est un test match. Selon nos informations de sources concordantes, les examens de ce lundi ont finalement révélé le pire, à savoir une rupture du ligament croisé du genou gauche. C'est un des grands joueurs de l'équipe de France de rugby. Alors rien n'est officiel, rien n'est officiel. Mais bah, si la blessure est confirmée, bon, évidemment, ce sera forfait de l'ouvreur du Stade Toulousain pour la Coupe du Monde. Vraiment. Premier coup dur, dit l'équipe, pour le camp tricolore qui n'avait jusque-là à gérer que des pépins. Les 523 commentaires déjà sur le site de l'équipe. Voilà. Ouais, c'est pour les gens qui s'intéressent un peu au rugby, c'est une très, très, très mauvaise nouvelle. Je suis sûr qu'il y aura des articles demain. Allez, puisqu'on parle de réseaux sociaux avec les amis... Zuckerberg et Musk, parlons un petit coup de TikTok, parce qu'en fait TikTok qui a vraiment très mauvaise presse, c'est vrai qu'une partie du contenu qui n'a aucun intérêt, a 2-3 aspects positifs. Là, moi je connais par exemple un très vieux streamer, très journaliste, qui depuis peu, croyez-moi si vous le souhaitez, eh bien sur TikTok, eh ouais, poste tous les matins une revue de presse express, hein, de 4-5 minutes pour donner l'essentiel de l'actualité aux gens. Voilà. Espèce de générosité, comme ça, de volonté de partage, hein, auprès notamment de la jeune génération. Magnifique. Magnifique. Ça, c'est très très beau. Voilà. Donc, je sais même que la personne en question là, poste une revue de presse express encore plus courte, d'1 minute 30 sur, sur Instagram et sur Twitter. Voilà. Je ne sais plus comment il s'appelle. John Doe dit un grand homme, je sais plus son nom. Si, il a un profil altier, il est, oui, il a un regard mystérieux aussi un peu. Si, il est, comment il est, ouais, il a un petit, comme un truc un peu félin dans la démarche, un truc un peu, vous voyez un peu, vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Un peu beau gosse, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, il y a des trucs comme ça sur TikTok. Je comprends pas, moi sur TikTok, quand je scroll, on dit comme ça, scroller. J'ai pas du tout de l'actualité, j'ai pas du tout des bouquins, j'ai que des gens qui dansent sur des trucs. Je comprends pas pourquoi. Voilà. Il y a peut-être du bon sur TikTok, mais il n'arrive pas jusque moi. Donc, enfin, bon, il y a des trucs sympas. Et notamment, il y a de la littérature. Et il y a des éditeurs et des libraires qui se rendent compte que, eh bien, il y a de plus en plus de TikTokers et TikTokeuses qui finalement sont des vrais influenceurs et influenceuses de littérature et donnent envie de lire à plein de gens. Voilà, et ça c'est assez étonnant et c'est plutôt sympa. Ces livres ont la cote sur TikTok. Les vidéos où les internautes évoquent les ouvrages qu'ils ont dévorés, donc leurs coups de cœur, font un tabac sur le réseau social, vraiment. C'est BookTok, exactement, Clément. Suscitant un nouvel engouement des jeunes utilisateurs, même pour des classiques. Et... Trop bien! Merci, je me copie, pour le 13e mois. Ce que TikTok nous a montré, c'est qu'il y a un vivier de jeunes lecteurs, alors qu'on disait qu'ils ne lisaient plus. C'est très enthousiasmant. C'est Sophie Charnavel, qui est directrice générale des éditions Robert Laffont, qui fait ce constat. Le réseau social joue aussi un rôle pour faire connaître des ouvrages. Elle et ses équipes ont ainsi vécu les effets de la viralité d'un livre, un roman américain qui s'appelle « Et ils meurent tous les deux à la fin ». C'est débile, on connaît déjà la fin du bouquin. Enfin bon. Donc c'est le titre. Le titre c'est « Et ils meurent tous les deux à la fin ». Ok. Donc je vais acheter... T'as pas ouvert le livre, tu sais. Enfin bon. Et donc ce roman américain arrivé en France en 2018 a vu ses ventes décoller très rapidement, mais à partir de la fin 2021... passant de 4000 à 100 000 exemplaires écoulés. C'est fou. Il y a Pifou qui me dit que le livre est très bien. À l'origine de ce boom, de courtes vidéos de lecteurs réagissant à l'intrigue totalement bouleversée. Bon. Je veux pas spoil, mais à mon avis, ils meurent à la fin tous les deux. Ces contenus foisonnent sur la plateforme via BookTok, hein, contraction de Book et de TikTok, sous-communauté de l'application dont le hashtag compte plus de 165 milliards de vues. Waouh! Les internautes y partagent leurs impressions auprès des lecteurs, ce qui réjouit particulièrement les éditeurs. Nous avons beau faire du marketing, tout dépend de l'émotion générée chez le lecteur qui est finalement le meilleur prescripteur. Même constat chez les libraires qui considèrent que le phénomène a donné un nouveau souffle au secteur. Le romancier David Fuenquinos, qui voit ici toute une nouvelle génération partager ses goûts littéraires ou musicaux, il trouve ça très bien. À mon sens, c'est le meilleur de ce que peut apporter ce type de réseau. Comme le dit Snimart dans le chat, tout ce qui incite à faire lire les gens est bon à prendre. Ouais. Parce que les goûts, ils sont variés. La romance, par exemple, est très appréciée des internautes, mais les classiques sont aussi mis en avant, comme l'attrape-cœur de Salinger, par exemple. Voilà. Et après, Le Parisien propose une série d'ouvrages justement qui ont été très appréciés sur TikTok et dont les ventes en France eh bien, ont augmenté suite à ces conseils. Alors moi, j'ai que des gens qui dansent. Moi, sur, je dois pas regarder les bonnes choses. Alors vous en pensez quoi? C'est sympa, non? Vous êtes sur TikTok, vous? On me dit que Presea, j'aime bien Presea, qui, la streameuse, revient sur des livres de fantasy sur Twitch. J'aime bien Presea. Bien ce qu'elle fait. Il n'y en a pas trop sur TikTok, vous. Hein. Je vois. Hein. Bah, allez-y. Allez-y, il y a vraiment notamment la revue de presse express. Vous tapez revue de presse express sur TikTok tous les matins. C'est l'essentiel de l'actu en 5 minutes, 4-5 minutes. Voilà. Vous n'avez pas le temps pour les 3 heures de la matinée Étienne. En 5 minutes, vous avez l'essentiel. Tout ce qu'on s'est dit, là, mais en moins développé. Très bien TikTok. Je sais plus qui fait cette revue de presse express. Si, c'est le, le beau... C'est le mec qui est assez bonhomme là. Vous voyez pas? Pas mal. Revue de presse express, TikTok. Tous les matins. Tigrex de Guerland, merci pour le 19e mois d'abonnement. Bon. Non, pas, pas le vieux. Non, pas le vieux. Non, il est pas vieux. Il est pas vieux. Non, non, il est plus. Non, on peut dire qu'il a à force de l'âge, quoi. Il est pas vieux. Non. Fanfan dit, est-ce que c'est pas lui qui a un corps de dieu grec? Voilà, si c'est lui. Voilà, c'est ça, exactement. C'est ça. C'est lui. Exactement. Non, pas l'ancien. Non, mais non. Non, ça c'est un autre. C'est un autre. D'ailleurs, comme on dit, comme le dit Clément, on dit pas le vieux, on dit le golfeur. Oh, la balle perdue pour les golfeurs. Thierry Le Bonnet. Ah oui, celui qui fait 1m53. Ok, actu suivante. Allez, on termine avec du jeu vidéo et le succès de ce jeu que vous connaissez, bien sûr, Baldur's Gate 3. Un succès qui prend le secteur du jeu vidéo par surprise, nous dit Le Figaro. Alors quand je dis ça, tu vas me dire, ah là là, c'est pas une surprise, c'était évident que ça allait marcher. Bon, bon, c'est facile de le dire après. Je dis ça, je dis rien. Les ventes exceptionnelles propulsent le studio belge Larian, en tout cas dans la cour des grands. Une demi-page du Figaro sur ce jeu. Qui remportera le titre du meilleur jeu vidéo de l'année 2023 entre Zelda, Tears of the Kingdom de Nintendo, Spider-Man 2 de Sony, Starfield de Bethesda, j'espère qu'on Bethesda, je sais pas le nom, ou bien Hogwarts Legacy de Warner? Les prétendants au trophée étaient connus depuis de longs mois. Sauf que un outsider est venu mettre son grain de sel à la surprise générale. Sorti le 3 août sur PC, le jeu Baldur's Gate 3 caracole en tête des ventes, générant des milliers d'articles dans les médias spécialisés, suscitant des retours élogieux de la critique et des joueurs qui se classent deuxième jeu le plus regardé actuellement sur la plateforme Twitch. Un tour de force pour un titre conçu en Belgique, bravo nos amis belges, par un studio qui n'a pas bénéficié de la force de frappe d'un grand éditeur et dont les mécaniques de jeu vont à rebours des grandes tendances du marché. Axé sur la narration et les choix du joueur sans aucun achat optionnel, Baldur's Gate 3 est tiré de l'univers de Donjons et Dragons, la célèbre licence de jeu de rôle sur plateau. Les créateurs sont les premiers surpris de ce succès inattendu. Alors, vous voyez, alors, tout à l'heure, les gens me disent, quand j'ai fait le sommaire, ils m'ont dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Évidemment que c'est absolument pas une surprise, c'était évident que ça allait marcher. D'après Le Figaro, les créateurs du jeu sont les premiers surpris, non pas du succès, mais de l'ampleur de ce succès. Alors qu'ils s'attendaient à devoir gérer un pic de connexion d'au grand maximum 100 000 personnes, ce sont près de 500 000 qui ont joué simultanément le jour de la sortie du jeu, chiffre passé à 814 000 joueurs dimanche. Ça signifie qu'ils ont amplement dépassé le million en un week-end, dit un connaisseur. Le bouche à oreille positif bénéficie à la version PlayStation 5, prévue pour le 6 septembre. Le jeu a été propulsé numéro 1 des précommandes aux États-Unis, mais numéro 2 en Europe. Nous n'avions pas du tout prévu ça. Ben vous voyez, c'est eux qui le disent. Nous n'avions pas du tout prévu ça. Tout est largement au-delà de ce qu'on avait imaginé. C'est l'éditeur qui le dit. C'est pas moi. Confié lundi Sven Winke au site PC Gamer, ce concepteur belge donc de jeux vidéo a fondé en 1996 Larian Studio, entreprise spécialisée dans les jeux de rôle sur PC, la saga Divinity, qui aura frôlé la faillite à de nombreuses reprises. Échaudé par ses mauvaises expériences avec les éditeurs de jeux vidéo, Larian s'est saisi à partir de 2012 de l'émergence du financement participatif et du Early Access, où le joueur paye pour accéder à une partie d'un jeu en cours de création et faire part de ses retours aux développeurs, pour accéder à l'indépendance financière, gérer lui-même la distribution et le marketing de ses productions et surtout rester le maître des horloges. C'est la qualité du jeu Divinity Original Sin 2 2017, 1 million de ventes en 2 mois, qui a convaincu Wizards of the Coast, détenteur de la marque Donjons et Dragons, de confier à Larian Studio la licence Baldur's Gate, dont le dernier jeu vidéo remontait à 2000. C'est vrai ça? 2000? Les moyens du studio ont alors grimpé en flèche. Basé à Gand, donc en Belgique, Larian ouvre 6 autres studios en Europe, au Canada, en Malaisie, afin de développer Baldur's Gate 3, et ce 24 heures sur 24. De 120, les effectifs sont passés à 450 salariés, sans compter les sous-traitants. Le Covid et la guerre en Ukraine ont perturbé la production, qui prendra 6 ans au lieu des 3 attendus. La trajectoire de Larian n'est pas sans faire penser à celle du polonais CD Projekt, qui a accédé à la renommée 20 ans après sa création grâce au succès massif de son jeu de rôle The Witcher 3, de quoi faire saliver les grands groupes du jeu vidéo qui ne devraient pas manquer de faire des propositions de rachat ou de prise de participation. Il est bien l'article? Il analyse bien? Ou pas trop? Vous me le dites. Larian, ce sont des très bons, je savais pas qu'ils étaient belges. GG les gens, me dit la pince à linge. Ça sent un futur Samplay sur Baldur's Gate 3. Oh, je serais pas étonné qu'on me le propose, effectivement. Ouais. Qu'un gamer ou une gameuse vienne me parler de tout ça. On va se régaler, on va se régaler. Zoélia dit ils l'ont sorti début août. Là, aucun jeu ne sort. C'est peut-être pas trop bête de leur part aussi. Tranquille Web dit ce jeu est tellement streamé, du coup j'ai pas du tout envie de regarder. J'ai pensé à une OP massive d'un bon jeu. Est-ce que c'est une OP commercial marketing massive, ou est-ce que ce sont les streamers qui ont été séduits qui sont mis à jouer à mort là-dessus quoi? C'est Joe qui a joué hein, à Baldur's Gate je crois récemment, non? Un peu des deux, un peu des deux, me dit Marion, me dit Tortapoya. C'est juste que le jeu est excellent, tout le monde y joue, dit Ismazia. Ok. Bravo à Hooper MDR69 qui vient de réussir son code. Tonton a l'air accro aussi. Ok, ça a l'air bien. Quand je pense que je vais devenir bientôt un gamer. Hein, voilà. Première étape, lever le pied sur la télé. Davantage streamer. Deuxième étape, devenir streamer à temps plein, gamer à temps plein, ça va être une dinguerie. 27 août, première de Samplay, tous les dimanches, 20 h, sur cette chaîne Twitch. Rencontre avec un jeu vidéo, un univers d'un jeu vidéo. Je viens de débrancher ma tablette, j'ai oublié l'horoscope. Un univers, un passionné d'un jeu vidéo. Voilà, j'ai calé les 4-5 premiers invités. On va se régaler. Sans blague, j'étais très surpris de l'accueil très sympathique réservé aux deux numéros tests qu'on a fait en juin. Un avec Kayane sur l'univers de Street Fighter, avec Street Fighter 6 notamment. Et un sur l'univers de Super Mario avec Ken Bogard, on s'est régalé. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait autant de monde, ça m'a fait très très plaisir. Et donc c'est reparti pour la promo, comme le dit Dragon Wild exactement. 27 août, dimanche 20 h, quoi que tu fasses, tu annules. Rien savoir, mariage... premier date, révision super importante, préparation d'un entretien à l'embauche, j'en ai rien à carrer. Dimanche 27 août, t'es même pas là en replay, j'en ai rien à foutre. Alors là, il n'y aura pas de replay, tiens, je vais annuler les replays. C'est en live, je suis chiant putain, ça va être super. Voilà. Et puis j'ai déjà j'ai les premiers invités, vous allez vous régaler. Voilà. On va se régaler. Voilà. Et puis là, vous allez halluciner de ma méconnaissance du milieu, c'est ça qui est drôle. Bon allez. Pour l'horoscope, aujourd'hui, on va lire Lyon. Parce que ça, je l'ai promis à quelqu'un qui fête son anniversaire aujourd'hui, au début du chat. Là. Et. Pourquoi ça marche pas? Ah, c'est parce que j'ai débranché. Ah, bougez pas. Du coup, attendez. Ah oui, attendez. Du coup, ça marche plus. Parce que j'ai tout cassé. J'ai débranché. Ah, je relance l'appli. Lyon. Et puis, je vais vous poser une petite question d'actualité. Pour déterminer quel est l'autre signe qu'on lira. Ça remarche ou pas? Ça remarche pas là hein. T'inquiète, je vais te préparer ça en 2 secondes. Moi, mon mode ingénieur moi. Mais ouais, ça marche pas du tout, j'ai tout cassé. Merde, j'ai tout cassé. Qu'est-ce que je fais? Attends, si je vais là, si je vais là. Attendez, bougez pas. iPad. Valeur par défaut, ça marche pas. Non, j'ai tout cassé, bordel. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Tout est sous contrôle hein. Contrôle, pas du tout, j'ai tout pété. Donc je vais vous poser une question d'actualité pour déterminer l'autre signe qu'on va lire. Qu'est-ce que je vais vous poser comme question d'actualité? Ça y est, c'est réparé. Attends, j'ai pété OBS? C'est OBS? Merde, c'est bon. Oh. Marche. Allez, marche. Mais si tu marches. Mais si tu... Ah. Tac, je suis le meilleur. Alors... Qu'est-ce que je posais comme question sur l'actualité? Attendez. Ok. Ok, prêt. Donnez-moi la bonne réponse et votre signe sur la même ligne, bien sûr. Dans quel pays vont s'affronter les deux milliardaires américains, là, Musk et Zuckerberg, en combat de MMA? Quel pays et votre signe, c'est parti. Oh, l'Italie, bonne réponse. Je pense que c'est Sagittaire, les modos vont me le confirmer. Je pense que c'est Sagittaire qui a gagné. Sagittaire, Italie, c'est validé par MMG7F, c'est donc Sagittaire. On lit Lyon et Sagittaire, c'est parti, on n'y croit pas, ça nous fait marrer. On commence par Lyon. Cœur, vous vivez en ce moment la félicité des petits bonheurs quotidiens, mais Lyon, mais quel... Ça c'est cool ça, la félicité des petits bonheurs quotidiens, mais oui, mais bien sûr, un Chris Prolls, un Babybel, voilà. Réussite, votre supérieur pourrait vous confier une nouvelle responsabilité. Impeccable. Forme, bonne vitalité, la forme est au rendez-vous. Je pense au viewer ou à la vieweuse, je crois, je ne sais plus, qui nous disait en début de stream, fêter son anniversaire aujourd'hui. En plus, le signe, l'horoscope, c'est une dinguerie aujourd'hui. Et on a dit Sagittaire, c'est parti. Sagittaire, cœur. Ce sera la routine, sans grand enthousiasme, mais sans dispute majeure non plus. Ça pourrait être pire, ça pourrait être pire. Réussite, contretemps et désagréments sans gravité seront au programme. C'est pas une journée de merde, c'est pas une journée top non plus. Hein. Forme, baisse de tension probable. Sagittaire, quelle journée? Lundi. Moi, ça ira mieux demain. Ça ira mieux demain. Par contre, les lions, c'est la fête. Les amis, un grand merci. Écran noir. On se retrouve demain matin, mercredi matin. Puis après, je verrai si j'emmène mon matos de stream en Bretagne. Ça, je sais pas encore. Merci pour ce matin, je me suis régalé. Merci beaucoup pour les subs, les soutiens. Il y a... Je remercie mon amoureuse qui vient de sub cette chaîne, voilà, depuis ses vacances en famille. Mais merci beaucoup. C'est le pont, hein, c'est le pont du 15 août, c'est ça. Hein, c'est un pont, c'est pas des vacances. Merci beaucoup, ma puce, pour ce sub, voilà. Donc ça va, t'arrives sur une séquence où je dis pas trop de bêtises, où je dis pas trop de gros mots, hein. Vous en êtes témoins, ça tombe bien, ça tombe bien. Donc je vais m'abstenir d'ailleurs d'en dire jusqu'à la fin de ce stream. Hélène, merci. On fait un petit raid maintenant. Vous me proposez maintenant dans le chat des noms de streamers, de streameuses qui sont en live actuellement et on va aller soutenir leur travail. Je vais chercher l'ordinateur, bougez pas. Ça fait plaisir que la famille regarde quand même, c'est cool. Hein, voilà. Et d'ailleurs, je fais un coucou à Malo et Solal, qui peut-être sont en train de regarder ce stream aussi. Voilà. Hop, je vois déjà des propositions extrêmement intéressantes. Je vous mets 2 minutes de pause musicale, et dans 2 minutes, pas une seconde de plus, je m'y engage, on fait un raid, tous ensemble. Voilà, je vois des belles propales, ok. Voici la musique, à tout de suite, 2 minutes. On va où? The scar you left is like an open wound. J'ai trouvé. Ok. Les 2 minutes sont passées, j'ai trouvé. Alors j'ai beaucoup hésité. Il y a des gens, notamment en voyage en Asie, là, qui font un super, un road trip en vélo qui commence. C'était très tentant. Il y avait plein de propositions sympas en vrai. Plein. On pouvait partir au Japon avec Citron Violet. Il y a Ava qui est en stream. Net Explorer, on retournera le voir parce que c'est une très bonne idée. Voilà. Mais là, il y a une amie qui est en stream actuellement, qui est Mimi Hegel, voilà, qui est une journaliste qui est devenue streameuse, voilà, qui est très sympa, que j'aime beaucoup, que vous retrouverez bientôt dans l'hebdo Etienne, bien sûr, pour la saison 2, à partir de la fin août. Je suis en train de charger l'oreille, c'est Mimi Hegel, Mimi pour les intimes, faites-lui coucou, vous allez voir, c'est une super belle personne. On est sur l'actu, là, retour de vacances, actu, Reddit et review littéraire, voilà, c'est une très belle personne. On va la voir tout de suite. Je vous souhaite une belle journée, une bonne semaine, une bonne fin d'été, bonne fin de vacances pour ceux qui sont en vacances. Je vous retrouve demain matin vers 9h, 8h45, 9h pour la matinée Etienne. Hop, merci encore pour tout, je me suis régalé. Ciao, ciao, à demain.